Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une transition réussie, Pierre. C'est ça qui se passe. Ah, d'accord. On attend juste qu'ils nous disent pour le son, les mecs sont plus nombreux. Alors, attendez, on va vers la démence maintenant. Ça suffit, les règles YouTube. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de vues, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'objectifs. On a envie de jouer, on joue. C'est comme ça, on fait la suite de Raymond Pathé en plein après-midi pour les dessinateurs et les auto-entrepreneurs. Et c'est tout, on veut que ça, hein, on veut que ça bouge. C'est comme ça que ça se passe, Et si Pierre. vous regardez en rediff, eh ben vous verrez quelque chose. Attendez, attendez, quand même. Si, bonjour à tous dans le chat, on va parler ensemble parce que vous êtes initiés déjà, initiés au jeu de rôle, initiés à tout. Mais admettons que ce titre putaclic attire des nouveaux spectateurs. Vous n'allez rien comprendre. Rien. On va, en fait, avec Pierre, Phi, donc le gros gauchiste, gras, et l'espèce d'obèse. Obèse. Monsieur, On double va jouer carton. à un jeu de rôle, donc on va parler, il n'y aura aucune image. Rien. Enfin, si, il y aura un petit logo, un petit truc, histoire de. Mais vous n'allez rien comprendre. Donc là, si alors, vous vous accrochez comme ça, vous prenez une grande bière énorme, vous mettez du beurre dedans, et vous regardez, et vous. Comme ça, et vous fermez vos gueules. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que il ne sera pas possible pour les gens qui ne sont pas abonnés depuis 10 minutes de commenter parce que ici, on va faire plaisir à nos spectateurs réguliers, les gens qui apprécient le jeu de rôle et qui comprennent ce que c'est. On va leur offrir le troisième épisode de Raymond Pathé. Oui, en Puisque, live, du coup. en live, puisque contraire. Et d'ailleurs, vous serez peut-être invité à jouer avec nous, mais alors c'est en bêta test, donc ça sera. Un peu bordel, mais on tentera des choses. Alors vous n'allez pas passer dans le chat. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Le plus important, contrairement à ce qu'on a dit dans la vidéo de Raymond Pathé d'hier ou avant-hier, je sais plus. Je me rappelle même plus quand est-ce qu'on l'a sorti en fait. Hier, C'était hier. attends, c'est hier. On n'a pas enregistré la suite. Parce que on avait d'autres enregistrements à faire, qu'on a fait, on avait d'autres montages, d'autres trucs à faire. Mais en fait, je ne connais pas la suite du récit. Et la deuxième particularité, c'est qu'en fait, je la connaîtrai jamais, la fin, parce que maintenant, c'est moi qui vais faire MJ. Et Pierre qui va jouer Raymond Pathé dans cette Hey, partie. je suis là, hein. Donc On voilà, est on là. va faire que du mindfuck, on s'en fout. On est en freestyle, on s'en bat les couilles. Donc, je l'adore ce Raymond. Alors, il y a des gens qui sont initiés, qui sont déjà en train de préparer les scénarios suivants sur le Discord. Il n'y a pas le lien du Discord, c'est trop tard là. Pour aujourd'hui, il faudra rejoindre autrement. Hein. Petite information qui m'a été demandée, on répond maintenant. Les lives d'il y a 2 ans, les lives politiques. On va dire ça grossièrement, les radios libres à l'ancienne sont bien en privé. Je ne sais pas et je ne pense pas les remettre en public. Et les lives des 15 jours qu'on a fait, du projet 30 jours qu'on n'a pas abouti, et on verra si on va l'aboutir, sont eux aussi en privé. Pour quelle raison? Simplement pour concentrer le regard vers le contenu jeu de rôle et exclusif jeu de rôle. Parce que je le rappelle, nous avons un livre à vendre en ce moment. Tiens, mais il n'est pas au bon endroit. Hop là, Hop boum. là, hop sur la tête, regardez, hop. Cliquez sur Teddy. Cliquez ici, cliquez dans le lien si vous voulez vous fournir 2D6 1-1 versus système. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour jouer, on est là surtout pour voir ce qui va se passer pour Raymond Pathé. Est-ce qu'il y a une Valérie Pathé? Alors, écoutez, le titre spoil la moitié de ce qui va se passer, même si Pierre n'est pas au courant du scénario. Tu peux les mettre en DL sur un site tiers. Non, non, mais non. Inaccessible. Alors il y a un mec qui m'a demandé, est-ce que moi je serais prêt à payer? Donc on a regardé sur YouTube s'il y avait un moyen de vous donner un accès payant au truc, genre 4,99€. On a fait les démarches. Il n'y aurait plus qu'à cliquer pour vous les mettre en payant, que ce soit tous les lives en fait. Mais je suis hésitant. Déjà, je vois, bon c'est bien, ça pourrait être intéressant de vous les mettre en payant. Mais en même temps, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas encore. Et de toute façon, j'ai juste envie de jouer. Alors bonjour à tous les doubles sorciers. 14h30, ça fait tôt pour faire de la double sorcellerie. Alors, parlons alcool. À la base, on voulait faire le live bourré. Donc là, 14h30, on va pas se lancer. Mais si ça dure jusqu'à 16h30, je crois que je me débouche un petit verre de rhum. Tu te fais un petit verre. Moi, j'ai rien à la maison. T'as Donc, rien ça à sera, boire, hein. je serai à l'eau, moi. Oh ouais, non, mais je vais pas Ça me va bourrer la être, gueule tout seul. je vais singer la double sorcellerie dans ma tête. Oh non, 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 je veux pas boire tout seul. Non, non, c'est un truc qui se partage aussi. Écoute, on verra. Si on. Bah non, de toute façon, je peux pas. Eh Je ben peux c'est pas aller foutu, ben faire ça les sera courses. sans Je vais alcool. Bah interdire. écoute, voilà, c'est tout, ce sera sans alcool. Okawa. Allez jouer. Mais vous êtes
côte à côte, tous les deux ou à distance? Et ben en fait regarde, là je vais toucher la tête à Teddy. Ah! Voilà. Hop là. Côte à côte. Côte à côte. Côte à côte. Là, l'illusion ne fait Parfaite, aucun. parfaite. Bon allez les mecs, on démarre. Moi je veux faire souffrir Pierre. Donc on va démarrer. 3, 2, 1. Alors, ils sont combien? 200? Non, 120. Vous êtes 120. Vous êtes prêts? On démarre. Ça sera sans illustration, donc ça sera à l'oreille. Il faudra se concentrer. On pourra faire des rappels. Dans le chat, je vous fais confiance pour vous donner des informations s'il y a des nouveaux qui se posent des questions. Vous en faites pas, je vais mettre l'ambiance. On va se mettre dedans, on va faire un résumé. Quelle magie est sans alcool? Bon, allez, c'est parti. De toute façon, je vois le chat au fur et à mesure. On démarre la suite de Raymond Pathé. Ça vient d'apparaître hein, pour les plus, les moins vifs. C'est magique, c'est de la Magique. sensibilité. Ouais. Pierre, tu es Raymond Pathé. Oui, je sais. Hier soir, ça a été une nuit extrêmement difficile. Tu es rentré dans un mur après une bataille avec des punks. Tu as rencontré un certain sorcier Wilfried qui t'a initié à la sorcellerie, voire à la double sorcellerie. Oui, il est mort, Wilfried. On t'a offert une baguette, qui n'était pas une baguette de pain, mais une baguette magique. Tu as réussi à faire sortir du fromage de ta baguette. Tu es rentré chez toi en balai magique, harcelé par des monstres. Et arrivé chez toi, tu t'es fait quitter par ta copine Titine, Oui. conseillée par son ami. Oui. Le chinois. Ouais, Nguyen, comment c'est son prénom? C'est Michel. Michel Michel. Nguyen. Le fait est qu'il est 5h du matin. Là, tu as eu le temps de dessouler. Ça fait 1h30 que tu marches entre Oh. la zone pavillonnaire des Beaufs pour rejoindre le seul café ouvert à 5h du mat dans la Cité des Anges, chez Fayed, à côté de la tour A. Ah, je connais, ben, je connais tous les bars, moi. Ben, c'est celui qui est ouvert. Tu as l'intention de prendre un café, donc tu n'es plus dans une espèce d'ivresse. Et franchement, bon, tu as ton paquet, tu as tes DVD de Lino Ventura. T'as tes DVD de Lino Ventura, t'as tes vestes de cuir, ta petite guitare, t'as toute ta vie dans ce petit paquetage à côté de Ça pèse toi. lourd, hein. Ça pèse quand même lourd. Ça pèse lourd. Et ça a eu le temps de te faire dessouler. Et t'as un balai et cette baguette magique. Mais sincèrement, à part des souvenirs assez vagues, tu commences à te demander si t'as pas un peu déconné quand même. Donc là, t'es plutôt en train d'essayer de chercher quel alcool t'as bu pour croire que t'étais un sorcier. Et alors là, la grande question, c'est de savoir si c'était vrai ou pas. Donc t'es en train de marcher vers le bar, tu vas arriver chez Fayette dans peut-être 5 minutes de marche, t'es sur le pont, tu vois des clodos en bas et tout. Est-ce que tu souhaites vérifier dans ta tête si tout ça était vrai? Enfin, est-ce que tu souhaites faire quelque chose sur le chemin? Moi, je vais essayer de penser, parce que j'ai une idée, je vais essayer de penser dans mes souvenirs, voir si là, le cubi des punks à chiens, il n'était pas un peu daubé, le truc. Parce que je sais que là, les punks, eux, vu les coupes qu'ils avaient, à mon avis, ils mettent pas, il n'y a pas que de l'alcool dans leur cubi. Alors si tu le souhaites, tu peux réaliser un test de volonté pour vérifier si ton cerveau fonctionne bien et si tu arrives à te souvenir de tout ça. Eh ben, j'ai utilisé ma compétence de grand marcheur parce que, comme mon grand-père disait, en fait, quand tu marches, ça active le cerveau, Eh ben vas-y, c'est parti, mon gars. en Active ton cerveau. Et j'ai fait un double 1, direct. Donc là, le double 1 va être sévère, hein, par contre. Donc tu tentes de te souvenir dans le cubi de vin là, des punks. Et rien qu'en pensant à cette putain d'odeur de raisin dégueulasse, t'as ton cerveau, en fait t'as comme une pointe qui va dans le cerveau, et là, tu as une dissociation cognitive. Oula, qu'est-ce que c'est que ce Alors truc? une dissociation cognitive, je t'expliquais. Enfin, dans ton cas en tout Non, cas. parce que moi je fais pas dans les trucs de prostituée allemande. Hein. C'est que tu as deux parties de ton cerveau. À partir de maintenant, et pour tout le long de la partie, ce que tu penses, t'es pas d'accord avec. Donc, Oh, le tu penses culé. que c'était vrai, mais en même temps, il y a un deuxième Raymond Pathé qui dit non, c'était pas vrai, c'est évidemment pas vrai. D'accord? Ah, Mais c'est à... comme en fait si j'avais le petit diable et le petit ange qui me parlaient en fait. Oui, et là d'ailleurs, il y a le petit diable qui dit non, c'est pas du tout comme ça. Tu es un et unique. Vraiment.
D'accord. Alors là, ça va être très Oui. difficile. Je suis un et unique. Donc, Alors, comment je fais pour savoir qui j'écoute, en fait? tu te démerdes. À partir de maintenant, pour une bonne partie de... Je vais utiliser ma compétence gestion du personnel pour gérer mon personnel intérieur. Tu vois Ça ce que sera je pour veux plus dire? tard, il faudra que tu l'utilises au fur et à mesure, là ça sert à rien. Tu ne pourras pas contrer Ok. le sort. Pour une durée indéterminée que tu n'arrives pas à déterminer, que je te le dirai plus tard, tu vas devoir lutter contre toi-même pour savoir si ce que tu vois est vrai ou non. Et si tu peux interagir avec cette chose. On est OK? Tu arrives chez Fayette. Le gameplay, quoi. Hein? Le gameplay. Le gameplay horrible. Mais c'est pas grave, bon, tu te démerdes. Je te balancerai des idées farfelues et ce sera à toi de trier. T'es double sorcier et quadruple en fait du coup, parce qu'il y a deux doubles sorciers Là, en vraiment, toi. il y a quatre sorciers en Il y a moi. quatre sorciers, ouais. Il y en a quatre. Alors, tu arrives chez Fayed, tu pousses la porte, c'est ouvert comme d'habitude. Fayed, il dit, voilà Raymond, alors, ça va? Qu'est-ce que tu fais Écoute, là à 5h du matin? Tu vas travailler, t'as trouvé travail? en fait, non, c'est un peu plus compliqué. J'ai cru que j'avais un travail hier, mais je suis pas sûr. En fait, il s'est passé un truc de dingue, Fayette. Mais écoute, je vais éviter de t'en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que comme tu vois, là, j'ai toute ma vie sur moi. Oh Parce que là Kitchen, je crois qu'elle m'aime plus. Oh, maman pauvre. Mais installe-toi, je te paye le café. Ah bah écoute, je Je te veux fais le bien. kawa, je te fais le kawa. Je veux bien, je veux bien, je veux T'inquiète. bien. Oh là 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 là. Oh mon pauvre, mon pauvre. Ah mais miskine, hein, miskine. Donc, écoute. Alors, il te fait le café. Il fait, tu sais, il n'y a pas que toi qui es dans la misère. Alors, c'est pas pour dire que ce que tu vis, c'est pas important. Au contraire, bien au contraire. Tu vois ce que tu vis en ce moment? Il y a des gens qui vivent comme toi. Pareil. Ah ça m'étonnerait parce que avec ce que j'ai vécu hier. À mon avis, il y a peu de monde qui vivent des trucs similaires comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute. Vas-y, raconte, raconte, raconte à Rachid, n'importe quoi. À Écoute, Fayette. Fayed, hier, j'ai traversé un mur. Oh là Et là. je suis arrivé dans un truc, en fait, je crois que j'ai rêvé. Parce que, en fait, avant, j'étais avec des punks à chien dans un square, ça, je m'en souviens. J'ai bu le cubi, en fait, parce qu'il buvait lentement et je me suis dit, c'est la fête. J'ai enfilé le cubi. J'ai fait la bagarre avec eux. Et ensuite, j'ai traversé un mur et je me suis retrouvé. Et je m'approche de Fayed chez des sorciers. Oh là 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 là. C'est les djinns. Les djinns de la cité. Oh là. Ah, peut-être, oui, mais alors Oh le là. gin, moi j'en ai déjà bu, ça me fait pas ça d'habitude. Non, 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 non. Je dis les djinns, c'est les monstres de sorciers de... C'est terrible. En fait, les musulmans... Et ils ont tué un mec, hein. Ouais, et ils mangent les gens. Hein. Attention, Et hein. ils ont tué un mec. Et il y a deux machins. J'étais un moment sur un balai. Bon, je vais te épargner les détails. Il y a deux machins dégueulasses. Il y en a un. Il m'a aspiré un peu de ma vie. Mais comment t'as fait pour survivre? C'est comment? J'ai gueulé sur le balai. Mais tu Et l'as encore, c'est le balai que tu as regarde. là? C'est le balai Regarde, là? regarde. J'ai un balai. Et regarde, j'ai une baguette. Oh, C'est mais pas une jette ça, baguette. jette ça, jette ça, c'est chétan, Ah jette. non, mais je ne vais pas jeter Ah non, ça. non, 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 attends, 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 parce que là, tu te mets en danger, Raymond. Tu te mets en Ah non. danger. Ah oui. Je vais pas jeter ça. C'est la seule preuve que j'ai. Écoute, écoute. Tu vas me faire un petit jet de volonté pour voir si tu obéis à tonton Fayed et que tu jettes ta baguette magique ou pas. Je Parce vais que là, il y a utiliser en ma. toi, il y a deux Raymond. Il y en a un qui fait, Ouais. il déconne le mec là, c'est bon, c'est Non ma mais. baguette. Et l'autre qui fait, non, non, mais quand même, franchement, il a peut-être raison, Fayed, tu vois. Ok. Bon, Allez. du coup, je vais utiliser ma gestion du personnel. Bon, écoutez ça. Avec volonté, c'est ça? Alors, oui, volonté plus gestion du personnel, Ok. plus tu fais de score, plus t'as de chance de Allez. raisonner. Non, tu déconnes. Quoi? J'ai refait double 1, je te jure. Je te jure, j'ai refait double 1. Bon, voilà, bah je suis Deux désolé. double 1 d'affilée. D'affilée. C'est pas possible. Bon, là. En fait, tu fais. Il y a le Raymond rouge diabolique qui fait. Mais il a raison. Et là, tu te lèves. Fayette, t'as raison! Écoute, tu prends le balai, tu commences à le jeter par terre, tu le casses.
tu l'exploses, tu prends ta baguette. J'en ai marre. Bordel. C'est à cause de toi, Titine, elle est partie. Exactement. Et un mauvais cadeau, t'es un vilain cadeau. Allez, coup de genou, paf, paf. Le truc, c'est réduit en miettes. Tu les enlèves de ton inventaire, tu n'as plus ni baguette, ni balai magique. T'as deux double 1 d'affilée. Quand bien même tu serais un double sorcier, tu ne pourrais plus le prouver à personne. Donc, faut que je fasse un peu attention à ce que je dis, là. C'est ça? Bah, disons que j'espère pour toi que dans le scénario, il n'y a pas de phase de sorcellerie. Bah, écoute, au pire, je suis toujours un double sorcier. Même si j'ai plus le premier demi de sorcier, j'ai toujours le deuxième. Alors, il te reste juste une potion de PE. La potion de PE de Wilfried. Oh, je suis désolé. Et là, il te dit, quoi, t'as bien fait. Tu m'entends? T'as bien fait. Il crache par terre sur les objets. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, il faut pas toucher. Raymond, t'as déjà assez de problèmes comme ça. Moi, je veux plus y toucher à ces trucs. Hein. J'ai une surprise pour toi. Ah ça? Alors écoute, Fayed, c'est vraiment le moment où il me faut une surprise. Une bonne surprise. Hein. Pas une surprise comme quand je suis rentré chez moi. Hein. Parce que là... Titine, c'est une femme, elle est très bien. Je vais pas juger. D'accord? Mais Titine, son amie Nguyen, à mon avis... Je vais te dire, c'est ça sent. Hein. Bref, je vais pas dire les mots, d'accord? Parce Moi, que je veux pas. je pense qu'en fait, il fait bien à manger, le mec. C'est possible, écoute. Et Titine, tu sais qu'elle aime bien manger, elle est comme moi. Et je pense qu'en fait, plein de fois, elle partait, et quand elle revenait, elle sentait une odeur entre la friture et un petit peu quand je me lave le matin. Et tous les jours, en fait. Et après, le mec, il est venu. Moi, j'étais sympa avec lui. Et après, ça puait dans tout l'appart. Explique-moi, Fayed, est-ce que tu peux m'apprendre à faire à manger? Je vais t'apprendre mieux que ça. Titine, je vais pas dire du mal, voilà, je veux pas dire du mal. Mais, si elle a fait ses choix, elle fait ses choix. Et elle va te regretter, je vais te dire. Tu vois au fond de la salle, là-bas? Non. Oui, je regarde, qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle? Au fond de la salle, il y a une je vais dire une jeune femme. Une femme, une vraie femme. Une vraie femme. Elle a pas l'air si jeune que ça, Fayed. Mais c'est un très très bon plan. Je t'explique. C'est une grande bourgeoise. Ah oui, elle est arrivée à 3h du matin ici. Elle pleurait, voilà, elle pleurait. Elle était mal dans sa peau. Elle a vécu des choses. C'est très difficile pour elle. Mais, moi je pense, vu comme son mari est méchant, peut-être que tu pourrais peut-être lui dire bonjour, te présenter. Bonjour, c'est Raymond. Ah, enchanté. Je pourrais rendre jalouse Titine. Voilà, voilà, ce genre de choses. Moi, je dis, si elle te voit au bras d'une belle bourgeoise, peut-être elle revient. Peut-être tu t'entends avec la bourgeoise. Peut-être. Écoute, fais-moi confiance, va réconforter la madame. Moi, je sais plus quoi faire. Ça fait des heures et des heures qu'elle se planque dans le bar, je sais plus quoi en faire. Tu me dégages ça, vraiment. Et tu sais quoi? J'efface ton ardoise. Ah oui, non, mais les ardoises, tu sais, j'en ai partout. Si tu pouvais parler à tes collègues... Dans la Cité des Anges. Non, déjà, on va faire avec mon... Non, écoute. Je ne peux plus rentrer dans aucun bar. Hein. Déjà, attends, on va s'occuper de l'ardoise là qu'il y a ici, d'accord? Les 2500 euros. Ah oui, quand même. Ah oui. On est d'accord? Ah, d'accord. Tu me rends un service aujourd'hui. D'accord. Tu me prends la bourgeoise, okay. Tu lui fais bonjour madame et tout, et tu me la dégages. Ok, et je sens bon là, ça va? Ça va, t'es super. Tiens, vas-y, il te remet un peu les... Les épaulettes, non, les machins. J'ai vécu quand même une nuit, je me suis pas douché. Hein, laisse-moi ton sac, je m'occupe de tout, t'inquiète. Mais tu fais attention parce qu'il y a toute ma vie dedans, dans le sac. Hein. Prends le sac, il le met sur le côté, et il t'invite, il te pousse un peu. Allez, va voir la madame. Je vais voir la dame, dans le fond. Donc, c'est une femme qui pleure. Bah, bonjour ma petite dame, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout raté. Faut pas dire ça. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle? J'ai visé plus haut que ce que je croyais. Mes enfants, mon mari, ils m'ont pas soutenu. J'ai plus d'argent. J'ai voulu revenir dans la Cité des Anges pour dormir dans la garçonnière de mon mari. Mais le gardien, il a pas voulu me donner les clés. Et du coup, je dors dehors dans un café comme une pauvre. C'est horrible. Madame, vous vous appelez comment?
Je m'appelle Valérie Piécette. Vous devez me connaître, je passe à la télé sans arrêt. Et vous avez Alors, voté pour moi? vous savez, moi, la télé, je regarde pas trop, c'est pas trop mon truc. Écoutez, Madame Piécette, c'est pas grave, ici, on est bien, ici. Oui, Problème. mais le monsieur, j'ai l'impression qu'il veut me faire sortir. Plus personne veut de moi. Plus Eh ben, vous personne. savez quoi, Madame Piécette, moi, je crois en vous. D'accord? Ah. Parce que, vous savez, dans la vie, moi, personne n'y croit en moi. Et si on est deux à croire l'un en l'autre, eh, ça va le faire, hein? Alors, elle, sa réponse, ce sera: est-ce que vous avez voté pour moi? Alors, écoutez, moi, je sais même pas, je crois que j'ai jamais voté de ma vie. Parce que, en fait, bon, moi, en fait, je suis manager un peu des bars. En fait. C'est mon taf, j'ai pas le temps de voter. Mais Donc vous savez, je regarde pas la télé. Hein. tu veux la calmer? Je vais utiliser ma compétence gestion du personnel pour lui mettre une main sur l'épaule, la rassurer, lui dire. Madame Piécette, moi je crois en vous. Je vote pas, mais en tout cas, je suis désolé. Je suis désolé que vous avez arrêté Tu envoies votre ton jet de carrière. volonté, on verra après si ta dissociation perturbe le processus. Et moi, j'envoie le jet de volonté de Valérie Piécette. Ouf, C'est 24. j'ai fait 34. Ah Alors, bon, de toute bah. façon, la 24-34, on est à 10 de différence. Même avec des bonus, ça va être un peu chaud. Donc, elle ne s'arrête pas de pleurer et même elle amplifie. Ouais, vous n'avez même pas voté pour moi. J'ai 5 millions d'euros sur le dos et mon mari veut pas me donner l'argent et il m'a pas et je vis nulle part avec les pauvres. Et vous vous rendez compte? Eh, vous savez, là, moi aussi, j'ai des dettes. J'ai des dettes partout. Je suis connu pour avoir des dettes. Et là, je suis arrivé ce matin. Et moi, je suis un bon en négociation. Parce que l'un, je viens de m'enlever 2500 euros de dettes, Madame Piécette. Donc, moi, je peux vous aider à récupérer vos 5 millions. J'en suis sûr. Ah bon? Ah oui. Eh, moi, je suis un sorcier. Ah bon? Alors elle commence à... Métaphoriquement, je suis un sorcier. Tu me fais un jet de volonté, vite fait, histoire de voir dans quelles conditions ça va enclencher le duo. Parce que de toute façon, on va valider, hein, on va faire suivre le scénario. J'ai fait 21. 21. Allez, je me fais un petit jet. Ça sera contre son spécial. Écoute, j'ai fait un vrai jet de merde. Tu l'as passé. J'ai 19. Voilà. Mais si C'est vous ça voulez... qu'on veut. Écoutez, si vous voulez m'aider à récupérer mes 5 millions, à trouver 5 millions, moi je dis banco. Je dis banco, je dis on y va. Je dis on y retourne. Vous savez, vous êtes d'une Je fais un coup, gentillesse. moi. Allez, allez-y. Allez, c'est parti, je vous accompagne, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est qui là? Alors il faut. C'est qui là à qui vous devez de l'argent? Alors, je vais tout vous raconter ce qu'on va faire. Parce que on va commencer à mettre les choses dans l'ordre. D'accord? C'est bon, Valérie? Allez, on se réveille, Valérie, on se réveille. Allez, Madame Piécette. Allez, On se réveille, allez. Madame Piécette. Hey! Oh! On se réveille! Oula, oula. Calmez-vous, calmez-vous, l'homme du peuple. Attends. Bon, on va organiser les choses, d'accord? J'ai pas fait Sciences Po pour rien. Ah Alors. oui, ah, vous êtes scientifique? Eh, parce que moi, j'avais un oncle, il était scientifique. Mais alors, c'était scientifique, en fait, il faisait de l'alcool. Il disait qu'il Ah était ouais? distillé ou Ouais. distillerie. Il D'accord. faisait des trucs dans les caves et il disait, ah Ah ouais. ouais, j'ai une potion sur moi. Ah Mais ouais. c'était un autre type de potion. Ah Eh, ça a rendu des gens aveugles, ouais. hein, Ouais. qu'il a fait. Ah Donc, j'ai ça dans le sang, ouais. d'accord? Donc moi, Madame Piécette, on y va. Je vous ai compris, monsieur Pâté. Ah bah alors ça me fait plaisir, Madame Piécette. Alors, du coup, je disais, on sort du bar. Premier point. Ensuite, il Oui. faut absolument m'aider à récupérer ces clés pour que j'ouvre la gestionnaire de mon mari. Parce que je suis épuisé. Après les élections, la défaite, ma déclaration, les trucs sur Twitter qui n'arrêtent pas. Cette Ah nuit oui, horrible. faut arrêter les Twitter, les machins. Moi, je connais ce truc, hein. Ça rend malade, hein.
Ça rend malade. Je vous ai compris. Donc vous m'aidez maintenant. Allez, on sont sort. Où les clés? Elles sont où les clés là? C'est le gardien. Venez avec moi, venez. Alors elle sort. Elle sort du bar. Elle dit même pas au revoir à Fayed. Fayed fait oh, madame. Fayed. Les consommations. Je crois que j'ai trouvé une. Moi, là j'ai trouvé une mission. Fayed, on va récupérer 5 millions. Et oh, ouais. Tu sais quoi? Moi, je viendrai payer les consos de Madame Piécette. Alors, parce quoi. Que maintenant, là, j'ai un but. Je vais récupérer Titine, okay. Je vais aider Madame Piécette, et moi aussi, je vais faire son truc, là. Je vais devenir scientifique. Ouais. Ça me tente bien. C'est bien. Écoute, vraiment, tu sais quoi? Vas-y, laisse tomber. J'efface les... Écoute. Là, moi, j'ai des clients qui arrivent là, à 5h30. Les mecs vont arriver. C'est bien. Vraiment, courage, hein. Fayed, je t'aime. Moi aussi, vraiment. Allez, à la prochaine fois, tu reviens, tu payes les consos, hein, on arrête les... Tu sais quoi? Je vais peut-être même arrêter l'alcool. C'est bien, je ça. Le sens. Voilà, allez. À la prochaine, c'est peut-être Ramon. Ça d'où viennent mes problèmes. Ouais, Salut, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. À la prochaine, Ramon. Courage, hein. Courage. Donc là, tu courage. Sors. Merci. Valérie Piécette, c'est la bourgeoise du 16e typique. La rencontre est faite, tu sors, on va rentrer dans l'acte 1, c'était la phase de préparation. Voici la phase de préparation finie. Ils vont pouvoir écrire dans le chat s'ils arrivent à s'en sortir. On fera un bref résumé avant de débuter l'acte 1. On va se faire une petite pause pipi, etc. Mais d'abord, on regarde le chat. Ça va, ça te va pour l'instant? Oui, c'est tu très comprends bien. Bien le truc? T'es prêt? Parce que je te promets, là, la suite, ça va être hardcore. Je ne suis jamais prêt. Puis, oui, comme dit Larry, j'ai une flaque d'eau à la place du cerveau. Donc forcément, je ne suis pas prêt. C'est pas une flaque d'eau, le mec. C'est du vin rosé, ok? Je ne suis pas rosé, d'accord. D'accord, les gars? Alors, attendez, pour la mise en scène, parce que là, on est les rois de la mise en scène, je vais enlever les petits curseurs le temps qu'on vous parle. C'est génialissime. Bon, si ça vous plaît, le gueux. Oui. Le titre du live est légendaire, c'est top. Il a laissé ses cartons au bar. Ah oui, putain, t'as pas pris ton sac? Pas pris mon sac, mais je peux aller récupérer en deux, peut-être. Merde, il a pas pris son sac. Eh bien, écoute, il y aura pas ton sac. Ah non, c'est trop tard. Pour ça, il faudrait que tu t'en souviennes avec une dissociation cognitive. Une dissociation cognitive. Non, ils ont raison. T'as pas pris ton sac. T'as pris ton sac. C'est comme ça. Pas... J'ai fait rien. J'ai fait 2-1 dès le début, ça commence pas bien du tout. On va peut-être. Raymond Pathé va peut-être être KO. Professeur Beignet, il dit Raymond Pathé, il va flipendo tout ça, récupérer 500 bananes, mais il vient de péter sa baguette en fait. Oui. Il va flipendo rien du tout, Raymond Pathé là. Et peut-être que je suis un sorcier sans baguette. Ouais. Raymond, quelle vaillance. Ah, j'ai cru lire quelle volaille, je trouvais ça plus pertinent. Le beauf dans toute sa splendeur. Bon allez, on va faire un petit pipi, je pense. On va remettre les idées en place. Ça vous laisse le temps d'initier les futurs spectateurs. Et puis on se retrouve dans exactement 2 minutes 30. Ça te va? C'est parti. Allez, à tout de suite.
dire. Et c'est une transition ratée, c'était pas assez souple. C'est dommage, c'est pas grave. Eh, double, 2 double 1 dès le début. Je le rappelle. On va démarrer l'acte 1. Donc, Raymond Pathé s'est rendu chez Fayette le matin pour prendre un café, histoire de se souvenir de tout ce qui lui était arrivé pendant la nuit avec les sorciers. Par un malheureux coup de double 1, il a explosé son balai magique et sa baguette magique. Donc, va savoir si c'était vrai cette histoire ou pas. On ne le saura peut-être jamais. Et il a fait la rencontre de Valérie Piécette. Donc, mettons les statistiques. Raymond Pathé, niveau 5. Valérie Piécette, niveau 4. Au niveau de ses stats, elle a tout concentré dans la volonté, évidemment, mais je ne donnerai pas les stats pour pas qu'il puisse deviner. Tu as rencontré Valérie Piécette, une bourgeoise du 15e arrondissement, qui visiblement est une politicienne. Va savoir, tu ne regardes pas la télé visiblement, donc tu n'en sais rien. Tu n'as pas suivi, mais il semblerait qu'elle ait échoué aux élections présidentielles et qu'elle ait 5 millions de dettes sur le dos. Tu as accepté bon gré mal gré, et tu es désormais un peu son familier, de l'aider à ouvrir la porte de la garçonnière de son mari. Sur le chemin... Garçonnière, c'est le truc pour les oiseaux, là. Alors, c'est un peu ça. Les oiseaux mâles. En fait, je vais vous expliquer. Donc là, vous êtes sur le chemin de la tour A, qui se trouve pas très loin. J'ai appris que mon connard de mari, Jérôme Piécette, avait une garçonnière. Ah oui, ah d'accord. Il élève des oiseaux. Alors, c'est pire que ça, ce sont des poules qui défilent. Oui. Il est fermier. Ce salopard a détourné de l'argent public de mon parti, pour se payer une garçonnière en HLM de 200 mètres carrés. Ah, ça en fait des œufs, ça. Je ne l'ai pas encore vue, cette garçonnière. Et quand je suis arrivé en bas et que j'ai demandé à Monsieur Portoche de m'ouvrir la porte, il a refusé. Oui. D'accord. Mais je le connais, Monsieur Portoche. Ah! Eh bien, vous lui direz que c'est vraiment inacceptable. D'accord ? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser faire. Parce que c'est vous l'homme du peuple, c'est vous qui connaissez toutes ces histoires. Donc, vous démerdez, je veux que la porte soit ouverte dans 15 minutes. Ah bah, écoutez, si je peux récupérer quelques œufs parce que j'ai la dalle, on peut bien faire ça. Je vous ai compris. Je vais du coup à la tour A. Moi, écoute, je vais à la tour A, je vais aller voir Monsieur Portouche. Parce que il me semble que moi, je connais un peu tout le monde dans la Cité des Anges. Mais que je vais aller voir. Portouche. Donc là, bon, là, il est 5h30. Oui. Les rideaux sont fermés. Il n'y a pas de Monsieur Portouche, la porte semble fermée, mais bon, il y habite. Alors après, c'est à toi de voir hein, ce que tu fais. Je vais toquer gentiment. Sur la vitre. Tu toques, tu vois quelqu'un déplacer le petit rideau. Comment ça s'appelle ? Tu sais, les rideaux blancs avec de la. Merde. Oui, ah. Je connais ça. Oui, bon, bref, les petits rideaux de vieux, quoi. Oui. Mais tu ne vois pas qui c'est derrière. Je dis. Oh, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît ? Ah c'est non, mais je parle pas extraterrestre. C'est la... c'est du portugais. C'est pas de l'extraterrestre. C'est la femme de Monsieur Portouche. Je déteste Star Wars, d'accord ? Qui engueule son mari. Alors là, tu le vois, à travers le truc, il met ses bretelles. Hop, il entre haut et fait... Bon, qu'est-ce que c'est ? Monsieur, oui. En fait, il faudrait qu'on aille à la garçonnière... Il y a une garçonnière là dans la toura. Il faudrait, parce qu'il y a la dame derrière, elle a oublié un truc dedans. Et, non, ça fait 4 jours qu'elle m'emmerde, tu la vires. Vire-la, tu vas avoir des problèmes. Raymond, tu vas avoir des problèmes. C'est déjà un problème, ça. Vire-la. Et il ferme la porte. D'accord, non, mais personne m'écoute. Je me fais virer par Titine, je me fais virer des bars, je suis sorcier, je suis plus sorcier d'un coup.
Et là, en plus, ma meilleure amie que je viens de rencontrer, il faut que je l'abandonne. Bon, elle est Et en train de Monsieur pleurer Partouche, derrière pendant que tu fais ton discours. Bon, monsieur Partouche, il ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec ta écoute, femme? écoutez, Monsieur Partouche, Titi, je crois que elle aime un peu trop la cuisine d'un mec. Elle a rencontré un mec qui fait bien la cuisine. Et en fait, j'ai un plan. C'est que la dame derrière, si je l'aide, je vais rendre jalouse Titine. Je fais un clin d'œil. Allez, volonté contre volonté. Allez, Monsieur Partouche, quand même. Tu me fais un jet de volonté avec quelle compétence? Gestion du personnel? Oui. Juste le personnel. Ce jet de merde, le jet de merde. Je suis à 24. J'ai fait 16. Comment t'as fait 16? J'ai fait un jet de merde. Mais c'est combien que t'as fait au dé là? J'ai fait 3, ouais. Ah oui, d'accord. Écoute, vraiment, je peux rien faire pour toi. Le monsieur, Jérôme Piécette, il m'a confié les clés. D'accord? C'est vrai. Ok. Mais je peux pas donner à la madame. C'est pas la madame qui est locataire. D'accord? Oui, mais c'est quand même sa femme. Tu sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais il se passe quoi? Il tringle. Il fait des choses vraiment. C'est Jésus, il rougirait dans sa tombe. D'accord? Ah oui, alors si Jésus rougit, ça va peut-être pas le faire, mais elle doit récupérer un truc là-bas. Comment? Et moi, si tu veux, elle reste avec vous et moi j'y vais, hein. Tu veux le convaincre de ça? Ouais. Allez, vas-y, on fait le dernier jet. Hein. C'est le dernier jet de volonté que tu puisses faire. Encore gestion du personnel? Ouais. J'ai fait un bon jet. J'ai fait exactement le même score. Mais avec des dés différents. 2, 23, 24. Et ben j'ai 24. Alors, attends. Crie pas victoire. Ok. Vraiment, tu fais ce que tu veux, mais tu me ramènes ça. Tu me ramènes les clés. D'accord, ça marche. Et elle ne monte pas. Ah bah écoute, moi je lui dis, si t'as du café, elle reste avec vous. Et moi j'y Ah vais non, tout non, 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 seul. non, ma femme, elle va devenir folle, elle reste là. Bon, bah je vais lui dire de rester là. Et je monte. Ok. Il va chercher les clés, quand il te les donne, t'as ton démon intérieur qui fait, tu ne devrais pas prendre les clés, tu devrais t'enfuir. Et l'ange qui dit, non, il faut que tu rendes service. Tu me fais un jeu de volonté contre ton démon intérieur. Je vais utiliser. Bah, gestion du Je vais. perso. Ouais, vas-y. Ah, parce que moi, je pensais, et si je m'attaquais moi-même pour me faire fermer ma gueule, en fait, Ah oui? à l'intérieur, Tu je as. vais mettre une patate pour les calmer les deux Allez, et reprendre possession. ça te donnera plus 2. Mais par contre, ça t'enlèvera des PV. Ok. Je me mets. J'utilise ma compétence gestion du personnel. Et je me gueule dessus en me mettant une énorme patate dans le front. Allez, vas-y. Mais vous allez fermer vos gueules, les séraphins, Ok, j'ai le score, j'ai le score. là. Alors. 17. 21, 22, 23, 24, 25. C'est bon, ça passe, il fallait faire 21. Tu te 24. fous des grosses droites, deux spécifiquement, qui te font perdre 4 PV sur tes 80. Donc Ça ça va, c'est va, ça minime. va. Et tu prends le contrôle, tu chopes les clés. Tu es désormais avec les clés de la garçonnière de Jérôme Piécette. Et la fille arrête de pleurer, elle fait on y va. Alors écoutez, Madame Piécette, c'est pas sûr dans cette tour. Et puis j'ai fait une promesse à monsieur là, c'est que vous devez rester ici. Donc qu'est-ce que je dois récupérer moi dans ce poulailler? Il n'y a rien à récupérer, je veux voir et dormir. Je veux aller là-bas pour dormir et voir de mes propres yeux ce qu'il fait avec l'argent de mon parti. Bah, écoutez, Madame Piécette, moi j'ai fait une promesse, d'accord? Donc moi aussi je vous fais une promesse à vous, je fais une promesse à monsieur et à sa femme. Je peux pas en fait faire deux promesses en même temps. Donc il faut qu'on trouve un accord. Moi, si vous voulez, vous me passez votre portable et je filme tout ce que vous voulez. Et après, on ira dormir quelque part. J'ai une idée. Raymond, Raymond, je n'ai plus d'argent. Je ne peux dormir nulle part. Ouais, mais moi, j'ai envie de vérifier un truc, et j'ai des amis quelque part. Allez, différents jets de volonté pour la convaincre.
Tu vas pas les ramener chez. Tu vas pas ramener ta pute chez. Chez Annabelle? Non. J'ai fait 21. J'y pensais même pas, mais tu me donnes des idées. Ça ne marche pas. Oh, Non! enfin. Alors, elle cogne à la fenêtre de Monsieur Portoche. Portoche, il ouvre. Écoutez, madame. Elle fait, écoutez, je vous ai compris. D'accord? Vous n'aurez aucun problème. C'est, là, il y a la législative qui arrive. D'accord? On va prendre le pouvoir sur les législatives. On va avoir des sièges. On pourrait très bien vous récompenser. D'accord? Donc, tu auras un bakchiche, le portoche. D'accord? Donc, tu m'écoutes, tu me laisses rentrer. T'en fais pas, Jérôme, je m'en occupe. Ok? Jérôme Piécette, c'est à moi. Elle lui fait un jet de volonté. Le mec, de toute façon, il n'a pas les stats adaptées. Je vais juste faire. Il n'y a pas de double 1. Ça passe. Le mec fait, écoute, écoute, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Il ferme la porte et elle t'accompagne Ok. dans l'appartement. Vous montez au 33e, alors plutôt 32e étage. Oh là Non, mais avec là. ascenseur. Hein. Ah, oh, c'est autre chose alors. Ça pue la pisse. 32e étage, il y a une clé. Donc on utilise la clé pour rentrer au 32e étage. Vous rentrez et là, c'est plein de plantes. C'est-à-dire que, évidemment, le HLM tour A, c'est assez dégueulasse, mais on autorise, tu sais, il y a quatre petits étages qui sont faits pour les bourgeois, les artistes de la Cité des Anges, et c'est là que se trouve la garçonnière. Et dès l'entrée, dès les espaces communs, tu as canapé, petite salle de réception, café. Ouais, ils se mettent bien, les mecs. Grande baie Ça vitrée. se met bien. Ça se met bien. Et voilà, et Très voilà. bien. Et voilà, et voilà. Quand je Je savais dis. pas que les fermiers, ils avaient des endroits comme ça, hein. Moi, je dis, là, avec un truc comme ça, parce que ça, c'est encore les communistes écolos qui ont mis ça en place. Et mon mari qui fricote avec une communiste, j'en suis persuadé. Voilà. Voilà le niveau. Si ça se venait à savoir, je ferais quoi, moi? Je deviens quoi? Hein, Raymond? Moi, je sais pas, mais votre mari, il est fermier depuis quand? Je vous ai compris, Raymond. Je vous ai compris. Ah, vous êtes ma meilleure amie. Moi aussi, j'aime votre côté français. Ah, ça, il n'y a pas plus français que moi. Je Je l'ai suis compris, Raymond. je vous ai compris. Je vous ai Raymond compris. Pathé. Oui, C'est un Raymond. vieux nom, hein, Pathé, hein, vous savez. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Donc là, elle avance dans le couloir. Elle cherche l'appartement. Elle tombe sur 222 ou X chose. Elle met la clé, elle ouvre. Elle rentre dans le truc et là t'entends une explosion. Regardez ça! Regardez ça! Et voilà! Et voilà! Et voilà! Toi tu dégages! Et tu vois sortir deux meufs à poil, enfin à demi à poil, vraiment très mal vêtues. Ah Elles s'enfuient. oui. Ah d'accord, j'ai compris. C'est pas ce genre de poule. Hop! Là tu t'approches de l'appartement. Et voilà! Oui, La débauche! mais. Et voilà! Alors il n'y a pas le mari. C'est juste deux poules qui Oh. étaient là à rien foutre en fait. Et t'as vêtements de luxe. Alors, il y a un 250 mètres carrés, c'est une seule pièce en fait. Donc, Ah il y a oui. jacuzzi, petit bar individuel, grand écran, des objets sexuels un peu partout. C'est une véritable garçonnière de bourgeois Ok. lubrique. Je rentre dans la garçonnière qui n'est pas un poulailler en fait. Je vais au minibar et je prends l'alcool le plus cher dans ma veste. Fais-moi un jet de discrétion. En plus, normalement, ça passe. C'est ta défense. Défense plus quoi Je vais utiliser ma compétence grand marcheur pour utiliser tout le savoir-faire. Attends, attends, attends. Je me rappelle de toutes les fois où j'ai marché dans la rue. J'ai réussi en fait à synthétiser le bruit que fait un pas. Un pas normal, un pas discret, un pas Allez, rapide. allez, allez. Oui, d'accord. D'accord. Grand Mais marcheur. je Contre sa suis grand vigilance. Fais marcheur. gaffe, c'est sa vigilance, c'est sa volonté. Hein. Ok. Donc c'est du gros score. Donc moi je suis sûr du 31. Putain, j'ai fait 30. Sérieux? Ouais. T'as pas de bonus? Bah. Bah allez, bonus de contexte, bonus de contexte, je te le valide. Hey. Elle est tournée, elle est complètement. Allez, allez, allez. On va négocier parce qu'on va. On va. Est-ce que je suis. Vous voyez là, je lui accorde parce que franchement, avec ces double 1, là, on va pas s'en sortir, le pauvre. Tu prends.
quel alcool tu préférerais? Je veux l'alcool le plus cher. Oui, Je mais veux que lequel? derrière l'étiquette, il y a écrit genre 2D6 de PE par gorgée, tu vois. Oui, ça d'accord, mais quel type d'alcool préférerait mon pâté? Et quel Je sais ado, pas. ça? En ce moment, moi, je suis un, j'aime un peu chartreuse, tu vois. Chartreuse? Une chartreuse. Tu ouvres le placard, il y a tous les alcools, avec une lumière bleutée verte. Il y a une LED par type d'alcool. T'as les absinthes, t'as une LED verte, avec des petites feuilles en plastique et tout. Ça tombe bien parce que la chartreuse, c'est vert. Exactement. T'as tous les alcools qui sont rangés par couleur, par style, avec des LED, une présentation incroyable. Il n'y a pas un seul alcool acheté à la poubelle. Accordez-lui, accordez-lui, à ce pauvre Raymond. Tu chopes la chartreuse. Eh, vous êtes gentils, les T'es mecs, avec devant, moi. c'est une merveille. Là, t'as ton petit diable qui sonne. Faut boire, faut boire, faut boire, faut boire, faut boire. Boum. Je sais pas comment on fait, le boum. Ça s'ouvre. Oui, voilà, c'est ça. Et là, tu te sers. Non, tu go au goulot. Et là, chaud. Chaleur totale. Demi-hystérie. Mais, tu n'as plus le petit démon et le petit diable. Tu les vois Oh. danser. Ils se sont Et unis. là, je parle dans ma tête. Je savais que vous pourriez vous réconcilier un jour. Et ça me fait plaisir de savoir que vous vous aimez. Une grande danse de démons et de petits Jésus en forme de Raymond Pâté qui tourne. C'est l'éclair, tu as récupéré ton cerveau. Et t'es bourré. Oh. Ça fait du bien. Tu t'assois au comptoir, tu vois l'autre Valérie piécette, hystérique, en train de ranger mécaniquement. Alors ça, c'est son réflexe. Elle commence à repasser les chemises. Elle range tout. Ta 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 ta. Elle fait le ménage, elle enlève les capotes. Oh! Mode automatique. Elle fait le ménage. Vous aviez pas un Oui, balai, vous? votre mari, il est bien membré, hein, quand même, hein. C'est un cheval, non? Vous êtes marié avec un cheval. C'est ça? Taisez-vous, taisez-vous. Elle range, elle range, elle est toute rouge. Ta, 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 ta. Pendant 1 heure et demie, elle range les 200 mètres carrés, clean, au carré. Nickel. Et normalement, si vous ouvriez une entreprise, là, les 5 millions, en 4 mois, c'est bon, hein. C'est réglé, hein, parce que vous faites un excellent travail. Elle s'assoit à côté de toi, elle fait passez-moi ça, passez-moi un verre, elle se sert un verre et elle trinque avec toi. Et À quoi? sortez à notre victoire, parce qu'on va trouver les 5 millions, Madame Piécette. Faire un shot, et le boit d'un coup, et la Valérie, elle est bourrée. Et elle Oh, pleure. Et elle Madame déplore. Et elle est Piécette. contente. Et elle imagine avec toi. Et mais t'as raison, Raymond. Et elle commence à te tutoyer. T'as raison, Raymond. Faut qu'on se mette. Toi, tu ferais vraiment. T'es l'image de la France. T'es à l'image de la France. Ah, ça. Tu sens pas bon. T'es vraiment. Oh, j'ai pas pu prendre de douche ce Non, mais je veux matin, dire, hein. tu Après, sens le me faire couler. fromage. Tu sens le fromage. Hein. Alors, ça, c'est une longue histoire. Mais Fayed, il m'a dit qu'il fallait pas que je la raconte. T'es simple d'esprit, t'es proche de la terre. Ah, simple. Alors, oui, proche de la terre, ça, oui. Mais simple d'esprit, je ne suis. Ça, je trouve ça. Un peu vexant quand même. Non mais c'est pas vexant, dans ma bouche, c'est quelque chose, c'est. J'ai toujours aimé le terroir de France. Et je trouve que, quelque part, tu es le terroir de France. Ah ça, oui, mais ça, j'ai dit que j'ai. Tu sais, Madame Piécette, je l'ai toujours dit ça. Je l'ai toujours dit. Quand j'étais au bar, je disais, vous savez, moi, je suis un peu le terroir, en fait. Et là, Je suis un peu le elle met le terroir. doigt sur ta bouche. Comme ça. Bah. Complètement ivre. Et elle fait, tais-toi, Raymond. Toi, je sais que si t'avais été à ma place, t'aurais été élu. Au premier tour. Et tu sais quoi? On va Oula. profiter de cette nuit ensemble. Pardon. On va faire la France, tous les deux. Ah, j'ai eu. J'ai eu peur. On va Non, faire parce la. que Madame Piécette, vous êtes vraiment pour une. Vous êtes quand même très belle, hein, pour une dame de votre âge. Mais moi, je suis amoureux de Titine. Et là, tu vas me faire un jet de volonté contre volonté.
pour déterminer la suite de la nuit. Pour savoir si vous allez faire la France ou pas. On va faire la France, mais les trucs genre bête à dodo ou la chose en fait, on va faire la chose. Jette tes jets de volonté pour résister à cette proposition. Putain, volonté en plus, je peux pas faire défense pour me, je me recroqueville un peu. Ah, tu pourras peut-être essayer pour éviter le viol, mais ça m'étonnerait, on verra. Volonté là du coup. C'est volonté, c'est volonté. Je vais utiliser ma gestion du personnel pour éviter d'avoir une érection. Il faudra faire. Ah, putain, j'ai peur, Il faudra j'ai peur. faire 32. Oh, mais t'es sérieux, toi? C'est sa volonté. Je suis obligé de faire un double 6 en fait. Mais t'as, tu sais que tu peux fusionner, hein? Ah putain, oui, mais je me rappelle des règles là d'un coup. Eh, c'est vrai que j'ai récupéré mon cerveau, je suis pas totalement une flaque d'eau en fait. Je vais fusionner. On est passé de Harry Potter à une nuit érotique à l'UMP, bordel. Je vais Ils veulent fusionner, le j'espère. double 1, il y a double 1. Alors, ça fait. Putain, mais, non mais même là, ça sert à rien que je fusionne en fait. Sachant qu'il a 10 PE, hein, les mecs. Hein. Là, il y a 3 yeux sur ses PE, mais c'est 10. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. Regardez comme elle a l'air enjouée à l'idée de passer cette nuit avec Raymond Pathé. J'ai fait 27. En fusion? Ouais. En fusionnant? T'as fait 27? Donc non Ouais. seulement t'échoues ton jet, mais en plus, tu Ouais. jettes Ouais. 3 des 6 de PE. Alors je vais te les faire. Wow! 6, 5 et 4. Allez, ça fera Donc 15. Donc 15 sur 10, t'es à moins 5 PE, tu tombes dans le coma. Ah, c'est super. Donc là, voilà ce qui se passe. T'es au bar, comme ça, et tu hésites dans ta tête, il y a les démons là, les diables, les machins qui étaient en train de danser, et puis commencent à se séparer, tu vois. Tu vois, ils passent dans tous les sens, là. Puis t'es là, oula, il y a l'œil qui part comme ça, et l'autre, elle est là avec son doigt sur la bouche, et tu fais... Tu sais, t'as le coude qui commence à déraper. Ouais, attendez, je m'en suis mis partout. Et tu vois pas très bien, tu commences à faire comme ça, et là, c'est plus ton t-shirt, tu vois. C'est ton corps. Et tu... Mais j'en avais pas. Et là, t'as ta bite à l'air, tu vois. Et là, Non, non, ouais. blackout. J'ai même pas pris de douche et il faut petite Titine, elle apprend, je fais quoi moi? Blackout. On va passer à l'acte 2. C'était la fin de l'acte 1, les Mais... mecs. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive dans le D6. L'érotisme, la baise. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, tu vois, on va pas non plus rentrer dans tous les détails, hein. C'est bon, C'est ça va. bon, J'ai hein. bien passé une nuit avec. J'ai vu un mec mourir Ouais, c'est avec bon, des sorciers, je suis même pas sûr. Et là, il y a une nuit. Oui. y a un mec qui dit qu'il va Ah mettre son bulletin dans le mur. Mets ton bulletin dans l'urne, putain! français! Wow, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire une petite pause. Je suis un animal. Comment? Je suis un animal, Piécette. Madame Piécette. On fait des pauses à chaque acte, hein. C'est ça, Raymond. Allez, on va lire un peu le chat. Ça va? Ça va, Pierre? Bah ouais, c'est les pires jets que j'ai fait dans le Oui, quiz. j'avoue que là, c'est une catastrophe. Et pourtant, bon, je sais qu'elle est délirante sur plan volonté, mais elle est niveau 4, hein. Elle a un Ouais. niveau de moins que toi, hein. Je sais que tout est en volonté, mais enfin, faut pas exagérer, quoi. Là, et tu sais qu'à la base, je lui ai mis moins que ce qu'elle pourrait taper en plafond. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est une catastrophe. Aïe, 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 Calmez-vous, aïe. les hommes du peuple. Mais il est dans le comato, c'est un viol. C'est vrai que c'est un petit peu un abus. Hein. La une du Figaro demain, Raymond, un cinquantenaire abusé sexuellement par une ex-candidate à la présidentielle. Je ne suis plus un mage noir. Je ne suis plus un sorcier, je suis J'ai un mage perdu mon blanc. blond de lait. Enfin. Glandus lactus. Je vais essayer d'assister au dépouillement. Connaissant Raymond, je pressens clairement un bourrage d'urne. Pardon, excuse-moi. Allez, faites-les toutes, hein. Faites-les toutes, qu'on n'en parle plus. C'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Après, on passe à autre chose.
C'est une catastrophe, Thérèse. Raymond a-t-il son œuf? Non. C'est chez lui. Oui, parce que je crois que en y réfléchissant bien, Titine et Nguyen, c'était peut-être pas Titine et Nguyen. Il y a un mec qui comprend rien, mais c'est divertissant. Finis-moi les baloches. Bon, allez, on démarre la petite pause de 2 minutes 30 pour vous laisser vous recharger, faire pipi ou je ne sais quoi. Moi, je vais peut-être me refaire un café ou une connerie. Je vais partir sur un café. Ouais, moi, je vais me faire un petit café aussi. Ouais, vas-y, on va partir sur un café. Allez, c'est parti. À tout de suite, les mecs. Et je vous fais confiance dans le chat pour initier les mecs qui sont en retard, leur expliquer où est-ce qu'on en est. Comme ça, ça les met à jour et puis ils peuvent suivre la suite. Et pensez au pouce bleu, les gars. Pouce bleu et puis... Kickstarter, on rappelle, que en fait, ça fait un. Alors, Teddy, ça fait 2 ans qu'il bosse sur un truc. Oui. Moi, dis-moi. Il y a un lien en description. Eh. C'est un jeu. Alors que on a des trolls qui disent, votre jeu de société, votre PDF là, c'est le meilleur des meilleurs des PDF. Qui existent. Des systèmes de. Hein. Bon allez. Vous avez 2 minutes 30. C'est un système forcier, les gars. Allez, à tout de suite. Sorcier, ben non, je suis plus un sorcier. Ensuite, tu redeviens un triple sorcier. Je comprends rien. Et ben attends, t'es même plus un mage noir. Je suis même plus un mage noir. J'avais une pellicule sur le gland qui me permettait d'avoir des sortes de pouvoirs. Et j'apprends qu'en plus, je devais normalement aller dans un poulailler. Et en fait, c'est pas un poulailler, c'est pas ce genre de poulailler. C'est un poulailler avec des nanas. C'est un bordel monstrueux. Raymond Pathé, pendant que tu étais en train de faire ce rêve où tu étais dans un tribunal en train de justifier de ce qui s'est passé auprès d'un juge qui ressemblait à Titine et dont le scribe était Guyenne, qui tapait comme ça. Tu accusais, ta gueule là. Allez hop, Michel Leb. Alors, et là, tu te réveilles. Oh, oh, grande baie vitrée. Oh, les draps blancs. Le soleil frappe ton visage, il fait doux, et il n'y a personne, tu es nu, et là,
Valérie arrive avec un petit plateau d'argent, des petits croissants, un café, du chocolat chaud. Tu préfères quoi? Et elle se jette comme ça. Il y a la moitié qui tombe à côté, sur les draps. Ouf! Je suis bête. Vraiment. Vraiment. Oui. Tu es un mulâtre. Oui. C'était énorme cette nuit. Énorme. Je... Alors, écoute-moi. Chut. Chut. Raymond, tu es français. Français comme jamais. Ah oui, je suis français, mais là, j'ai l'impression que j'ai été... Il s'est passé quoi cette nuit? Tais-toi. Tu as fait pénétrer le terroir en moi. Si j'avais eu cette puissance en moi lors de la campagne, je sais que j'aurais vibré la France. Pourquoi je n'ai pas su mettre toutes ces chances de mon côté? Alors, Titine me disait que je suis un magicien. Et c'est vrai, elle a raison. Tu es un magicien, Raymond. Un magicien français. Écoute-moi. Je vous ai fait un massage, un truc comme ça? Tu m'as tout fait. Elle est à poil. Enfin, elle a juste, une des merdes. Enfin, comment ça s'appelle? Un peignoir en soie, mais enfin... Ah mais vous m'avez déshabillé parce que j'ai trop bu, des fois je me dégueule dessus, mais c'est gentil de m'avoir déshabillé, hein. Écoute-moi. Parce que après je tâche mes vêtements, je me fais engueuler par Titine. Raymond, au pic de la soirée, au pic de la nuit, j'ai eu une révélation dans un hurlement de joie. Je vais faire de toi un présidentiable. Toi et moi, on va aller jusqu'au bout. Mais d'abord... Vous voulez qu'on... Non mais moi le truc c'est que... Je vous explique, je sais pas si je vous l'ai dit cette nuit, mais j'ai eu, en fait, à un moment, une espèce de pouvoir pendant une nuit où je pouvais faire sortir du fromage, des baguettes. Mais le truc, c'est que imprésidentiable, il y a déjà l'entreprise président qui existe pour le camembert. Imprésidentiable, ça se rapproche un peu trop de l'entreprise de fromage. Alors, vous êtes scientifique, donc normalement, vous connaissez, vous savez comment faire le fromage. Mais moi, en fait... je pensais plutôt à une entreprise genre Raymond. Raymond pâté fromage. On va faire tout ce que tu... Fais gaffe parce que je vais te faire un jet de volonté pour que tu fermes ta gueule. Pour que Raymond il ferme sa gueule. On va faire tout ce que tu veux, Raymond. Mais d'abord, toi et moi, on va lui faire payer tout ce qu'il m'a fait. Toutes ces années de privation sexuelle. Toutes ces années à ne pas savoir ce qu'était la France, je vais lui faire payer. On va aller chez mon mari, dans le 15e arrondissement, et on va aller voler tout l'argent qu'il a planqué dans son coffre. Et avec cet argent, on va rembourser mon prêt, et on va faire de toi un présidentiable. Mais quand vous dites sexuel, dans quel sens? Je ne comprends pas, Raymond. Vous parlez de sexe, j'ai pas compris. On a fait l'amour tous les deux, ok? Tu m'as fait découvrir Monts et Merveilles, ok? Ce qui était le territoire français. Oh là là! Ah oui, non mais attends, non, qu'on s'entende. Raymond, tu me fais pas le coup du pas de lendemain. Pas avec moi. Hein. Ah non, mais le lendemain, il est là, de toute façon. Le soleil, vous savez, Madame Piécette, il se lève tous les jours. Là, elle se met à gueuler. Hystérie. Elle frappe comme ça sur le lit. Et elle fait, maintenant tu m'obéis! C'est la France qui m'obéit! On va sauver la France et c'est tout! Et hop, tu me fais un jeu de volonté pour voir si tu résistes et comme ça, tu vas voir, je vais te. J'ai récupéré mes PE! Oui, t'as récupéré tes PE, évidemment. On va le contraindre parce qu'à un moment, hein, s'il nous fait toutes ces. Ah putain, j'ai fait un jeu de merde. 24, 25, 26, 27 et 28. C'est définitivement une grosse journée de merde. Oh, bah on n'en parle plus, t'es son familier. Double 1. Et bah voilà. Alors là, t'es sur le cul, là. Là, le hurlement féminin... 3 double 1 en une partie. C'est de la chkoumoun. Ah non, mais là, il dit largue la Raymond, c'est fini. Hein. Le French Dream avec Valoche, là... Alors là, je t'explique. Elle tape sur le lit, comme ça. Ah, la France m'obéit, tu es la France, tu m'obéis. Et là, c'est blocage. Ton cerveau... T'es amoureux. Oh. C'est une femme de caractère.
Titine, elle avait du caractère, mais elle, c'est pas vraiment comme un. C'est plutôt une sorte de fromage italien avec les vers. C'est Le ça. truc très très rare, en fait. Et là, pour toi, c'est la révélation. Tu l'aimes. Donc, elle se prépare. Elle met sa tenue de bourgeoise avec ses vêtements, son petit paletot féminin avec de la fourrure. Fourrure synthétique, parce qu'on reste. C'est de la fourrure de quoi, ça? C'est synthétique. Elle te fait comme ça au visage. Tu sens, hein, t'es amoureux. À chaque fois qu'elle te fait comme ça, avec sa fourrure. Synthétique. Ça me donne. J'ai une idée de poème pour toi, Valérie. Je vais l'écrire. Tu veux me le faire maintenant ou tu veux qu'on est. Je l'écrirai plus tard. Là, elle te pousse dans la salle de bain et elle te rhabille. Elle chope des trucs, des vêtements de son mari. T'es un peu gros, t'as pas le même volume. Tu vois que le mec, c'est un petit volume. Elle commence à tailler. Elle te fait une couture. Je l'aime, cette femme, elle a du talent. Hop, elle te mesure, paf, femme Elle est d'intérieur. scientifique, ma nouvelle femme. Hein? Elle est scientifique, ma nouvelle femme. Eh oui, exactement. Elle mesure et tout. Costard, tu ressembles à un bourgeois, un peu obèse. On dirait un avocat, alcoolique. Hop, petit trait sur le côté. Elle t'enlève le béret. Un avocat. Un avocat de droite classique. Très bien, suffisamment alcoolique, qui fumerait des cigares. Elle te file dans tes objets. Un set de cigares. 6 gros cigares, 3 des 6 PE. Par contre, c'est moins 2 PV. Et là, tu peux t'équiper pour aller faire face au futur défi qui est donc d'aller voler de l'argent chez son mari, chez elle en fait, dans le 15e arrondissement. Tu peux t'équiper parmi tout cet endroit en objet bourgeois. Que choisis-tu de saisir? Tu peux choisir 3 objets à partir de là. Il y a de la sorcellerie derrière tout ça, complètement casu. Salut dragon! Le retour de dragon. Réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, franchement, j'ai pas. Moi, tu sais, je suis pas trop un bourgeois. Je suis plutôt un prolo. Est-ce que je peux faire un petit jet de perception? Tu Savoir ce que je sinon peux trouver. je te dis quoi hein? Eh ben, tu me dis quoi? Bon. Tu as des outils pour la couture. Tu as des alcools et des accessoires d'alcool, des accessoires de cigares comme des coupe-cigares et des briquets de luxe. Tout est de luxe. Tu as des sextoys en masse, des vêtements pour femmes, pour des poules. Et un petit bureau dans lequel tu pourrais trouver ou des documents ou des serviettes. Quand je dis serviettes, je parle d'une mallette, hein. Ah, une mallette. Oui. Mallette, stylo, etc. Enfin, tout un équipement. Parce qu'il faut qu'il aille bosser. Le mec, il sort de sa garçonnière. Il faut qu'il aille bosser après. Alors, écoute, moi je vais prendre un stylo parce que on m'a toujours dit que dans la vie, il fallait un stylo pour écrire et pour faire des chansons. C'est mon C'est un arrière-grand-père qui stylo me disait. bon. Il n'a rien de particulier. C'est un beau stylo en or. Est-ce que je trouve des documents compromettants sur Monsieur Piécette? Ça te comptera comme un objet, même si ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y a un truc compromettant? Non. Je vais les C'est des faire. Hein. documents, par contre, concernant son économie, mais c'est pas assez détaillé. Il n'a pas laissé de documents compromettants. En un stylo, est-ce qu'il y a des il y a une arme? Tu souhaites un flingue? Un flingue parce que moi je Flingue trouve ça parlant. stylé. Hein? Flingue Flingue parlant? parlant. Alors, flingue parlant, bon, c'est dans les règles de 2D6, les gars. C'est-à-dire que c'est un flingue puissant. Donc, ça te donnera accès. Donc, c'est un flingue. C'est 14 de base, plus 7. Ça te fait un flingue de 21. C'est énorme. C'est l'équivalent d'un fusil à pompe. Bien pourquoi? C'est un flingue en or. Avec 6 balles, exactement. Et c'est ça sa particularité. Il n'est pas parlant. On va pas Valérie, considérer. Valérie, je suis l'espion de tes nuits. Regarde. Hop là,
Je le cache comme ça. Fais-moi un jet de D6, s'il te plaît. Juste de D6? Ouais. 8. T'as de la chance que j'ai fait 8. Aussi. Elle fait ah oh, grand fou, elle t'embrasse, mais elle a le baiser, tu lui fais oh. Parce que je voulais te faire perdre tous tes PE en fait. Mais on te commence. Hey, Magnifique. on m'appelle Danger, Raymond Danger. T'es de Angers? Quoi? Tu es de Angers? J'y connais rien en géographie. Angers, c'est en Normandie? Non, mais oui, peut-être. Ah non, c'est non, non, je connais Angers. Angers, c'est en dessous de Nantes, je crois. Et Nantes, c'est pas mal. Mais c'est des Ils ont Bretons. de la bonne bière. C'est des Bretons. Oui, c'est des Bretons. Oui. Mais les Bretons, moi, je suis pas trop fan. Donc tu t'appelles Raymond Danger maintenant. Salut, c'est Je suis moi, Raymond vraiment Danger en fait. Raymond Danger. Danger. Danger, Raymond. Tu marches à couvert, quoi. Bref. Et du coup, bah, en Et t'es troisième équipé objectif. de ton stylo bon, de documents Ouais. bons, tu les laisses sur place du coup? Okay. Ouais, j'ai la T'as surprise. ta tenue d'avocat de droite, tes cigares et ton flingue. C'est parti. Alors, premier problème à régler. Écoute-moi, Raymond. Tu as de l'argent sur toi? Alors, c'est une longue histoire. Hier, en fait, ce que je me souviens, en fait, j'étais dans un bar. Et en fait, souvent, j'ai toujours des copains dans les bars qui me payent des coups. Est-ce que tu as de Là, l'argent sur toi, Raymond? non. Voilà. Moi non plus. Alors on fait comment pour aller dans le 15e? On prend le métro? Non, il y a mieux, Madame Piécette. On va y aller à pied. Appelle-moi Valoche. Valoche, on va y aller à pied. C'est où le 15e? Attends, attends, je vais regarder. C'est où le 15e? C'est dans le nord, non? C'est à l'autre bout. C'est le 80. Entre le 93 et le 94, la Cité des Anges. Je te laisse regarder le chat. Alors, Paris, Angers 15e. entre Nantes et Le Mans. Voilà. Raymond Danger pour lui-même. Stylo Bic 4 couleurs en plaqué or. Eh, il est collector celui-là. Ah, ah non, non, c'est pas trop trop loin. Non, 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 non. Valoche en Vélibosch. Faut retrouver ta magie, Raymond. J'y combien, les gars, pour trouver ma magie. Ah, mais ça va, hein. C'est pas trop trop loin. Hein. Bon, après, si tu tapes le chemin à pied, t'as pas une autre solution? Je suis en train de Je regarder t'aime. sur Google, et franchement, c'est quand même un peu loin. En plus, je tape quand même tout le 94 à pied. Donc. Je reste quand même une personnalité publique. Eh, au pire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va trouver de l'argent. Et après, on va commander un Uber. Parce que moi, une fois, j'avais un balai. Et je voulais faire une entreprise, en fait, comme les Uber, mais à balai. Sauf que j'ai cassé mon balai. Ouais, je vois, je vois. Je t'ai compris. Je t'ai compris. Bah, je vais quand même fouiller, il y a forcément de la thune. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Tu me Forcément de fais la un jet thune. de perception? Et Le bah, jet de perception. Le jet de perception. le fameux. Vas-y, normalement, franchement, moi, je te fais difficulté facile, là. Hein. Faudra faire 8. Hein. J'ai fait 24. Y a du fric, tout simplement. Il y a du fric. Je prends le fric. Il y aura 600 balles. En liquide. Ben voilà, regarde, Valoche. Eh, hey, Ah, Valoche. mais je suis trop conne, mais évidemment. Quand on veut, on peut. Mais ça devait D'accord? être l'argent des poules. Mais 600 Oui. balles. Et 600 quand on balles, dit les mais. poules, c'est pas celle qu'on pense. Hein. Non. Bon, bah, Bon, c'est du coup, parti alors. Vas-y, je te suis. C'est toi qui. je demande à Madame Piécette, Valérie, de prendre un Uber, là. Ou d'appeler un taxi. Elle commande, ta 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 ta, Uber, Uber luxe, 300 balles. Arrête. Mais tu croyais qu'on allait faire quoi? Oh non, mais tu sais, avec moi, les choses, c'est simple. On ne paye pas 300 balles pour un taxi. Mais on fait quoi là? Bah, c'est pas grave, maintenant c'est payé de toute façon. 300 balles,
Sois, et sur le chemin, sois un homme, Raymond. Fais confiance à ton instinct français. Je me donne à toi. Comment on fait pour rentrer chez moi? Alors, je t'explique juste la structure de chez moi, en fait. Dans les années 90, on a acheté un logement à la base à Paris 15e, un appartement. Après, on l'a revendu quand il y a eu la plus-value dans les années 2000. On a pu s'acheter une espèce de petite demeure bourgeoise, très 19e siècle. Ça ressemble un peu à Montmartre en quelque sorte, mais c'est pas Montmartre hein, non plus, faut pas Ah, je déconner. Hein. connais Montmartre. Bien sûr, sinon il suffirait de vendre l'appartement, mais enfin bref. Et donc, du coup, on s'est pris une petite demeure sur 3 étages. Alors, il y a une petite cour intérieure, c'est entre 2 immeubles bourgeois parisiens classiques. C'est un peu en. Voilà, faut rentrer, il y a une seule issue. Hein. On rentre comme ça avec la voiture, il y a des feuillages, petit jardin à la japonaise, et puis à l'intérieur, il y a tout ça très sécurisé, on voit rien. Par contre, il y a 3 gardes qu'on paye tous les jours, Mokhtar, Mamadou et Mouloud. Mamadou, tu le connais peut-être, il vient de la tour A aussi, tour B, je crois. Il vient de la Cité des Anges. Ah oui, non, mais je connais, une fois, je me suis retrouvé dans un traquenard, j'ai eu chaud au cul. Ouais, il a. Bon. D'après ce qu'on m'a dit, il a un passé un peu dangereux. Mais avec nous, il est très sympa. Sauf si on essaie de rentrer par effraction. Alors, moi, Ah ce que je oui, peux mais... faire, je peux rentrer. Bon, je suis chez moi. Je veux dire, hein, je fais ce que je veux. Mais il faudra que je me justifie auprès de mon mari. Toi, par contre, je vais pas pouvoir te faire rentrer légalement. Alors, ou on Et s'infiltre tous les deux, ou tu me dis quoi faire, c'est toi qui fais la stratégie, ou. Moi, Pierre, je peux être ton nouveau garde du corps. Oui, c'est vrai. Voilà. Hey, j'ai toujours une solution. Va falloir qu'on en parle à Mokhtar. Il va te faire Hey, faire des Mokhtar. tests. Ah bah, faut savoir que moi j'ai fait pas mal de sport avant, hein. Pas que du sport de comptoir. Comme tu as pu voir cette nuit, je suis sportif. Alors, donc la stratégie, ce serait on rentre normal. Je présente le nouveau garde du corps. Tu fais les Oui. tests et si tu réussis les tests, t'as le droit de m'accompagner à la maison. Danger. Danger, Raymond. Mais allez, va pour cette stratégie d'acte 2. Je suis ok. Vous arrivez à la maison. La porte s'ouvre. Donc, enfin, elle est face au comment ça s'appelle? Au à l'interphone. T'entends ouais, c'est qui? Valérie! Ok, madame. Madame, piécette. On rentre. Tac, les portes s'ouvrent. En fait, il y a une espèce de feuillage, tu sais, qui fait un mur, quoi. C'est des forêts japonaises, mais tordues, pour vraiment que personne puisse voir par-dessus ce qui s'y passe. Ouais. Vous arrivez dans la cour intérieure, une espèce de fontaine d'eau, avec un petit ange qui pisse. Hop, ça fait le tour. Le Uber, il repart. Et vous êtes là. Et Omar arrive avec Mamadou et Mouloud. Et. Bonjour, madame Piocette, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le mari, il est inquiet, la fille, elle est inquiète. Tout le monde est inquiet à la maison. Ah ouais, ils sont où? Tout le monde est à la maison, tout le monde est à la maison. Vous en faites pas, je les préviens. Non, non, ne les prévenez pas, il faut que je vous présente. Voilà Raymond. Raymond. Bonjour. Bonjour Omar. Bonjour Mouloud. Bonjour, Bonjour. bonjour Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour Raymond, c'est un collègue de travail, madame? Non, c'est pas un collègue de travail, c'est votre collègue de travail. Vous Oui. allez. Bah tiens, il y a un don pour Valérie. Merci, on lui donnera. Merci. Ah bah, c'est votre collègue de travail. Je vais vous confier la tâche de lui faire la petite formation accélérée aujourd'hui, afin qu'il puisse m'accompagner. J'assisterai à tout ça. Ah d'accord, d'accord. Raymond, bonjour, Oui, enchanté. Il te serre la main. bonjour. Il a la main très dure. Donc comme ça, on veut rentrer. Quel est ton CV? Alors, moi, mon CV, j'ai fait quasiment plein de choses en fait. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été sorcier. Alors, sorcier, double sorcier. D'accord. Ensuite, moi, j'ai jalonné, j'étais un grand marcheur, randonneur. Alors, J'ai écoute, Raymond, je vais t'expliquer. été. Ici, pour rentrer au service de madame. Je crois que je vois, je cerne un peu le personnage. On pose des questions simples, on fait des réponses simples. On est dans des situations qui sont déjà assez compliquées, où il faut Oui. gérer son tempérament, la situation extérieure, gérer avec les Oui. collègues. Donc, quand je te parle de ton CV, je dis, as-tu déjà travaillé dans la sécurité? Peut-être question simple.
Une fois, il y a eu Titine, une fois, elle m'avait demandé de l'accompagner à une soirée parce qu'il y avait un mec qu'elle sentait pas. D'accord. Donc c'est ta seule expérience en fait. Pardon, cette aventure est la seule expérience concernant donc la sécurité de la personne d'autrui. Oui, mais Titine, Titine, elle faisait de la musique à un moment et je l'accompagnais. Je vois, je C'est un vois. peu une sorte de star en fait, Donc hein. c'est une expérience dans le domaine de la musique. C'est Artistique, plutôt, oui. voilà. Ici, je vais t'expliquer le contexte. On est principalement à la maison. On doit gérer les allers-retours. On doit regarder en haut. On doit regarder en bas. Les choses peuvent sortir du sol, en bas, en haut, sur le côté. Oui. Lorsque Madame Piécette ou Monsieur Piécette sort, on l'accompagne. On le suit en moto. Sais-tu faire de la moto? As-tu ton permis? Attends. Attends. J'ai failli l'avoir. D'accord. Alors, on va faire. C'est pas grave, si t'as pas le permis, de toute façon, ici, on a des passe-droits, d'accord? Donc, on va faire un petit test véhicule. D'accord? Oui. Petit test self-défense. Oui. Et si tu arrives à. Sans perte de PV ni de PE, si tu arrives jusqu'au bout, tu ne pourras pas boire de. Ni prendre de cigare, hein, d'accord? Il faudra aller au bout. On finira par un petit test de tir. Et si c'est validé, tu pourras devenir toi-même une personne qui aide la personne de Valérie en la personne de Valérie. D'accord? D'accord. Donc, je te laisse aller. On va débuter par petite séance de combat. Je te laisse te mettre en condition. Tu enlèves ta chemise. Oui. Oui, on va faire Je me mets un. en Marcel là. Voilà. En juste au corps. Tu te mets là. Je te présente Mamadou. Donc, Mamadou, il enlève sa tenue. Mamadou, 2 m 30. Oui. Un beau morceau. C'est un beau morceau. 2 m 30. Il arrive parfois que des gens arrivent inopinément, soudainement, comme ça, par le dos. Et là. Il faut que tu esquives. Et là, t'as Mamadou qui t'envoie une grosse benne. Direct. Il te fonce dessus. 3 m 30, grand noir. Il te met un coup de poing. Que fais-tu? J'utilise ma compétence gestion du personnel pour prendre son poing et faire comme le judo, c'est utiliser la pression du bras et me décaler en même temps. Alors, Mamadou est niveau Oh non, mais... 4, il me semble, quand même. Hein. Donc on va partir sur un niveau 4. Ok, c'est sa spécialité. Base 18. Double 6. Niqué. Mamadou débarque. Tu le chopes. Tu lui fais une grosse prise de judo. Le mec s'éclate la gueule par terre. Il bouge plus. Il est sec. Voilà ce que je voulais dire quand je m'appelais Danger. Danger, Raymond. Et Donc je là, remets ma petite vie comme ça. t'as l'autre garde du corps dont j'ai toujours pas défini le prénom. Ramasse, ça va, ça va, ça va. Je suis Oh désolé, Mamadou, parce que là. Eh, le moi, mec. tu sais, quand il y a un truc, je réagis au quart de tour. Il est en PLS, il est accompagné vers l'infirmerie. T'as. Merde, je me rappelle plus des noms, je suis désolé. C'est lequel le principal? Omar. Omar, je crois. Bon, enfin, on va l'appeler Omar. Omar qui dit. C'était parfait, très belle démonstration. On va passer immédiatement au test de conduite. Donc on attend Mahmoud là qui revient. Chut. Prends la moto. Il va bien, Mamadou, parce que je voulais pas lui faire mal. Écoute, on s'occupe de. C'est le travail, c'est notre travail. C'est notre travail. C'est notre travail. D'accord. Hein, si ça t'arrive un jour, peut-être on t'aidera aussi. Il monte sur Oui, la. une fois, j'ai cru qu'un mec, je l'ai blessé. Il s'est pas relevé, ça m'a fait peur. J'ai fui. Monte sur Et la moto. je fais pas Vraiment. attention, Vraiment, vraiment. moi, quand il y a genre de Monte truc. sur la moto. Donc c'est un scooter épais, un peu blindé. Tu montes sur le scooter. Il va falloir faire le tour de la. Comment ça s'appelle? De la. Propriété? Non, ouais, de la propriété, mais surtout Quartier? Non. Putain, fais chier. Bah vas-y, on va se faire un tour de quartier. On va faire une course. On va juste faire le tour du pâté de maison. Oh oui, non, mais attends. Vous sortez, vous mettez sur la ligne de départ, faudra refaire Ok. un tour, le J'ai un premier. casque? Non, parce que la sécurité avant tout.
C'est très bien, tiens, t'as un casque. Ça donnera plus 5 en défense si jamais tu tombes. Bah, 5 merci, PDE. Bah, pas 5 PDE, ça te fera 12 PDE, mais 5. 5 en défense. Écoute, pap, t'es prêt? Petit tour de pâté de maison, premier carré, vu la gagner. Ça te va? On fait comme ça. 3, 2, 1. Il accélère, le mec. Il part. Tu le vois, il prend sur la gauche. Est-ce que bah, tu je veux... Fais pareil. Hein? Je fais pareil. Allez, vas-y, tu testes ta volonté et ta non-conduite, puisque tu n'as pas de compétence de conduite. Donc, l'autre, c'est un spécialiste. Aïe, aïe, aïe. 16, 24, 25, 26, 27. J'ai fait 18. Ouais, ça suffira pas. Donc, du coup, tu le vois passer au coin. Tu passes au coin. T'as pas d'accident, hein, y a pas de problème, 18 c'est suffisant. Par contre, si tu vas en dessous de 13, oui, en dessous de 13, ça sera autre chose. Hein. Faut pas que tu fasses en dessous de 13. C'est le scooter, il est daubé, je crois. Et tu le vois repasser encore sur la gauche, donc il prend encore un peu plus d'avance. Est-ce que tu veux développer une stratégie particulière? Est-ce que t'as quelque chose à faire valoir? Est-ce qu'il y a une ruelle qui coupe le quartier? Oui. Je prends la ruelle qui coupe le quartier. Vas-y. Fais un jet, il ne faudra pas que tu fasses moins de 14. Ah putain. Tu peux pas utiliser une compétence? Bah t'as quoi? Vas-y Raymond, ils disent. Vas-y Raymond! Vas-y, si j'utilise gestion du personnel, et comme si le personnel, c'était la carte. Oh non, je peux pas valider un truc comme ça, sérieusement. Hé, hey, allez! Hé! Hey. T'as pas une autre compétence, plutôt? T'as rien. Tu sais que t'as le droit à deux compétences, à inventer deux compétences, là. Hein. Il te reste deux compétences à inventer. Hein. C'est vrai? Oui. Je fais une compétence... Tout sauf permis, t'as pas le droit au permis, parce que tu l'as loupé. Presque permis. Oh, j'ai des notions de conduite, j'ai des notions de conduite. Presque permis, vas-y, je te le valide. Dextérité plus sagesse. Oh. Elle cherche un pigeon pour renflouer les 5 millions. Ok, c'est parti. Donc. Il y a un mec qui dit mais non, fallait rester sur place et dire que t'étais déjà arrivé. Yeah, je connais sa stratégie, mais ça marche rarement. Avec volonté, hein, forcément, pas droit avec. Ouais, c'est ça. Volonté, plus ta compétence. Je fais 15. Ok. Il fallait faire 15, donc c'est validé. Je te l'accorde, en fait, parce que en fait, il fallait faire 16. Tu passes par la ruelle, et là, c'est un cul-de-sac. Mais oh, le cul-de-sac, si t'arrives à le passer, on verra comment, ça mène dans le logement de Valérie Piécette, dans la cour intérieur. Donc c'est un cul-de-sac avec un muret relativement haut, mais donc tu t'arrêtes en fait, et il y a des planches de bois, des poubelles, des trucs. Donc tu pourrais fabriquer un jump. Moi, j'ai utilisé ma... Je vais créer une compétence. Et cette compétence... Ce sera la dernière. Elle s'appelle Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, il était charpentier. Et il construisait des trucs. Allez, on va donc te la valider. On va te valider la compétence Jésus-Christ, et ça sera ta sagesse. Mais par contre, pour la compétence, et ton charisme. Ouais, mais c'est Jésus dans le sens, il construit des trucs, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est Jésus-Christ charpentier. Ok. Ou charpentier divin, si tu préfères. Et là, à ce moment-là, ça sera ta dextérité plus ta constitution. Charpentier divin. Un tremplin, oui, excusez-moi, je trouvais pas le mot. Ok, alors, je sors du scooter très vite, je me dépêche, je prends les planches en bois, et je fabrique une sorte de pipe pour, en fait, reprendre le scooter et foncer, et faire un jump. Si tout se passe bien pour ton adversaire, dans deux tours, il arrive. Donc, t'as un tour pour fabriquer le jump, un tour pour entrer dans le truc et aller à la ligne d'arrivée. Eh ben, on fait ça. Allez, vas-y, fais-moi le tour pour fabriquer un tremplin
pour pouvoir sauter dans la cour intérieure de Valérie Piécette. Ingénieur du J'ai dimanche. 24. Ingénieur du dimanche, c'est très bon aussi. T'as fait 24? Désolé, si c'est 9, si c'est, si c'est, si c'est 5 pour ma part. Donc il fallait faire 7 et 7, 14, 15, 16, 17, 18. T'as fait combien? Ah mais non, non mais c'est j'ai bon. Fait plus, j'ai fait 21 je crois. Non mais c'est pas possible, attends, deux secondes. Ah non, 14, pardon. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et toi ah tu bon, as bah fait? oui, c'est mort, moi j'ai fait 23 je crois. Bon bah c'est mort. Tu échoues le tremplin. Tu Ok. entends le mec qui est arrivé. Et Valoche qui fait « Bravo! Bravo Mouloud! C'est génial! Ah vous êtes vraiment fort, hein, on peut vous faire confiance !» Donc t'arrives en poussant ton scooter, t'es même plus dessus, et Non t'arrives tout mais penaud. je sais pas où vous achetez ce scooter parce qu'il y a écrit Vespa dessus. Mais moi une fois j'ai un pote, il avait acheté un Vespa directement importé d'Asie, du Japon, et il était en pièces, il l'avait monté, il s'est cassé. Je pense que c'est le même mec qui vous a vendu ce scooter. Il marche pas très bien. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as trois défis. T'en réussis deux, c'est bon. Il reste juste le tir. D'accord, viens, viens. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas conduire, c'est pas conduire. Ah Attends, oui, t'as vu, d'accord. t'as mis KO Mamado. C'est déjà bien. Vas-y, viens, on Oui, va à bah. la cour intérieure. Alors, ils prennent le véhicule, ils te laissent faire, on te penaud quand même. Valérie, elle fait. Hein? Oui, bah écoute, on peut pas être bon en tout. Hein. Alors, vous avancez, vous allez dans la cour intérieure. Sont disposées trois bouteilles de bière en verre. Il va falloir niquer les trois. Celui qui en a le plus a gagné. Et ça sera contre Omar. Il sort son Okay. flingue de flic. L'équivalent d'un flingue de flic. Classique. Tu veux une arme? Tu veux quelque Oui, chose? j'aimerais bien. Oui. Tu veux une arme de service? Oui. D'accord. Parce que Valérie, elle m'a dit que tu avais déjà une arme. Oui, mais le truc, c'est que j'ai pas de balles de rechange, donc si vous pouviez me prêter une arme. D'accord, d'accord. Écoute, laisse-moi faire, tiens, vas-y, je te prête une arme. Donc là, c'est une arme de service. Tu veux faire sa qualité? Caille. Vas-y, je peux tirer mon dé quand même, mais c'est normal, c'est à moi de tirer mon dé de qualité. Tire ton dé de qualité. Bon. Bon, bah, t'auras pas de malus. C'est déjà Tu veux ça. l'utiliser ou pas? Ou tu préfères utiliser ton flingue en Je or? vais utiliser mon arme. Ton Ouais. arme? Il te donne des balles pour ton arme, c'est bon. Tu dépenseras pas de balles, Voilà. tu dépenseras pas une de tes 6 Ah, balles. merci. Ouais, Eh. voilà. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Quand tu verras la paix, tu seras content aussi. Alors, c'est Allez, parti. c'est parti. C'est toi qui commence, je te laisse l'honneur. J'ai utilisé ma compétence fléchette. Je vais être précis, rapide et carré. Ils le disent, compétence fléchette, il le savait, le mec. Il l'a anticipé, Mister Happy. Du coup, ce sera avec attaque. Ça sera avec attaque plus ta compétence fléchette pour atteindre la boisson. Ça sera difficile la première. Ok, donc toc. 22. Arrête, 22? Ben c'est J'ai même 22. pas Qu'est-ce, comment ça, arrête? de bonus avec le flingue, là. Hein? En plus, Non, t'as j'ai pas même de pas de bonus avec bonus le avec mon flingue. flingue. Bon, allez. Bah, je suis pas dans la merde, hein. Pff, 23. T'as fait plus? Ah non, t'as dit 25. Ah, j'ai dit 25? Attends. Ouais. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai dit 22. Bah 23. Et ben parfait. La bouteille, elle explose. Et voilà, c'est bien. Franchement, nickel. Ah Excellent. non, mais quand je vois des bouteilles d'alcool vide, ça me rend barge. Il tire sur le deuxième. La balle, elle va au bout, elle re-rentre. Il a fait un système pour taper Ah oui. un mur, ça revient en arrière, paf, ça explose. Vous êtes un sorcier en fait. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, si tu réussis celle-là, t'as le job. Ça sera la même difficulté. Difficile. Sauf que cette fois, il faudra atteindre 22. Exactement le même chiffre. Ok. Bon.
C'est parti. J'ai failli fusionner, mais... Va-t-il sortir de cette ruelle en vie? Attends. Allez, 22. 22. Ouf. 22, tout pile. Bravo, Raymond. Raymond, moi je dis, à part tes erreurs de conduite, parce que là on va pas te mettre sur un véhicule, je pense pas tout de suite, d'accord? Comme je vous ai dit, j'ai le presque permis, j'ai pas le Mais permis entier. je t'offre. Valoche, Valère, excusez-moi, madame Piacette. Maloche aussi. Renaud, c'est entre nous. Oh. Valérie, Piacette, madame Piacette, je vous garantis que ce tour est fait pour la garde rapprochée. Et elle fait évidemment très rapprochée. Allez, viens. Et elle te prend par le bras. Et vous rentrez dans la maison. Salut Omar, c'était Et un plaisir. J'aime bien ce mec. on se fera des concours de tir? Tu connais un Ah, peu le Airsoft? écoute, le Airsoft, je connais le Airsoft, le Airsoft 2. J'ai joué sur la PlayStation, c'est vachement bien. Moi, je le fais en J'ai vrai avec les une vraies balles. PlayStation 2, hein. C'est vintage maintenant. Je sais pas si tu connais la Cité des Anges? Ah, oui, bah, ça pour la connaître, Tous écoute. les 6 mois, on organise un concours. Bon, on ne parle pas à Valoche, hein. On organise un concours, c'est on fait du airsoft, mais c'est pas soft. On Ah, prend c'est... un. C'est Ok. du. C'est du air hard, quoi. Air hard, Moi, parce voilà. que moi, après, j'ai fait du air guitare aussi. Tu Air. connais le air guitare? Non, ça, j'en ai rien à foutre. Mais toi, je te vois bien faire un battle royale avec nous. Ah oui, c'est Ouais. les trucs qui jouent les gosses, là, Fortnite. T'inquiète. Voilà, c'est ça. Ah, je connais, mais j'y ai joué une Il y fois. a beaucoup d'argent à se faire. Ah, d'accord. Mais Bah, écoute. je te rappellerai. Ajoute-moi dans tes Ok. contacts, tu mets Omar Battle Royale, tu mets. Tous les 6 mois. C'est bientôt là. On va en faire un. Air Hard. Mais. Oui, Mokhtar ou Omar, on s'en fout. Franchement, c'est un PNJ, je me rappelle plus des prénoms. Appelle-moi comme tu veux. Appelle-moi comme tu veux. Moi, pour moi, tu es Omar. Et Voilà. tu es un de mes meilleurs amis. On en reparlera sur le terrain. Allez, là, tu prends Valoche, elle te prend par la main. Allez, viens, Raymond, on y va. Hop, elle ouvre la porte, elle ferme la porte, vous serez dans la maison. Et tu vas voir. Par la suite, on est en middle point. Ce sera la fin de l'acte. Non, on peut passer à l'acte 3. Excusez-moi, on vient de finir l'acte 2. Puisque l'acte 3, ça sera récupérer l'argent du mari de Valérie, voire peut-être d'autres surprises, afin de renflouer les caisses et ses 5 millions de dettes. Donc c'est la fin de l'acte 2. Pierre, Ok. t'as réussi à passer. C'était une très bonne stratégie. J'ai rien à Ok. dire. C'est J'ai nickel. T'as tout pas perdu de perçu. Je... PE. T'avais pas fait de fusion, non? Non, j'ai failli en faire, Mais mais t'aurais pu en faire une pour les j'aurais véhicules, non? dû. Hein? Pour le véhicule, t'aurais pu faire une fusion, non? J'aurais dû, surtout qu'en plus, je me suis rappelé après qu'il me restait une fiole de PE. Bah oui. Et les cigares. Et des cigares. Mais il t'a interdit Et j'ai de. une bouteille d'alcool, hein, Non, en mais plus. il te l'a interdit, il te l'a interdit. Pendant le Ouais. concours. Pour moi, ça reste Jean-Michel Walla. Une espèce de chasse à cour. Omar et son acolyte Jean-Mimi Walla. Bon, est-ce que ça leur plaît ou pas là? Bah, j'ai l'impression, la punchline annonce, ça j'en ai rien à foutre, ça leur plaît. Mieux qu'un épisode sur Netflix. Eh, Ah! on est mieux que Netflix. Mieux que Netflix, les mecs. Mieux que Raymond va Netflix. finir escort boy. Bah, il l'est là, il escorte, hein. On peut dire ça, Et hein. je suis bodyguard. D'accord? Je suis danger Raymond maintenant. Ou Raymond Danger, c'est comme vous voulez. Mais je viens pas d'Angers. Raymond Donc. Danger. Bon, nickel. Bon, alors là, ils ont arrêté de commenter. Je pense qu'ils se sont mis en mode écoute, ils sont en train de faire autre chose. Ou alors ils en ont rien à foutre, tout simplement. Pour une fois, quoi. Hey, les mecs, là-dedans, là, vous en avez rien à foutre de ce qu'on raconte? On est les deux gars, les deux gros dans la télé là. Hey, vous écoutez les deux gros, là? Un peu? Omar avec son acolyte Jean-Michel. Non. Salut tout le monde, j'arrive à la fin. On est sur l'acte 3, là, on va finir bientôt. Au top, c'est excellent. Pas mal l'histoire. C'est Kevin Costner français. Le Kevin Costner français. C'est qui Kevin Costner? C'est un acteur, je crois, Oui, c'est Kevin Costner. lequel?
C'est un mec qui doit, à mon avis, être bodyguard. Ouais. Meilleure escorte que Benalla encore. C'était mon petit Benalla. Mon petit C'est mon petit Benalla. Benalla. Eh, moi, je suis plutôt Benalou. Parce que. Non, Je ça a suis. bugué, je crois. Je vous ai écouté depuis mon office. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon Office. office. D'accord, depuis son bureau. C'est très cool. Eh ben nickel. Dans ce cas, vous avez 3 minutes 30 pour faire le pipi. Encore une fois, ou autre chose. Très satisfaisant. Et on va passer à l'acte 3. On va voir si Valoche va réussir à récupérer 5 millions d'euros moins ou plus. Et si elle va pouvoir vivre l'amour fou avec son Raymond, son français, qui lui a fait découvrir les Mais charmes du terroir. Oui. je vais être un présidentiel. Je vais ouvrir une entreprise. Je vais redevenir un sorcier, les gars. C'est vrai que là, on a décroché du sorcier vu qu'il a pété sa baguette en début de jeu. Je vous le dis pour ceux qui sont. Oui, mais j'ai toujours du sang de sorcier. Donc, si je veux, moi, je retourne dans la rue du Chat Noir et je vais venger Wilfried. C'est ça. C'était mon meilleur ami. Et Tu Dark vois? Angel, elle fait du rangement en vous écoutant, ça la détend. Bah, c'est nickel. Allez, c'est parti. Petite pause. À tout de suite, Pierre. À toutes. Il est psychologue et il a fait des études aussi de cuisine. Si j'étais bodyguard, mi-cuisinier, mi-bodyguard, ça pourrait peut-être le faire. On est Pendant en que live? tu étais en train de penser à tout ça, l'acte 3 a sonné, le dernier grand défi auquel va faire face notre cher Raymond Pathé, accompagné de sa nouvelle grande copine, Valérie Piécette. Vous êtes dans l'entrée marbrée de damier maçonnique, avec un énorme cerf mort au bout du chemin. Ah, c'est pas marbré comme le 4 quarts, c'est marbré genre comme les Romains, quoi. C'est exactement ça. J'ai vu ça à l'école. Damier. Bon, après, ça ne te sonne pas à l'oreille, ni aux yeux.
Elle dépose son manteau. Tac. Et elle te demande. Vraiment. En chuchotant. Oui. Apparemment, chacun est occupé. Oui. Je prends les paris que ma fille est dans sa chambre, mon fils est dans sa chambre aussi. Je pourrais peut-être te les présenter, peut-être plus tard. Je sais pas, c'est un peu à toi de me dire. J'ai trois enfants. À mon avis, le troisième, le plus grand, il n'est pas là. À mon avis, il doit faire de la moto comme d'habitude. Donc, Émilie doit être en haut. Baptiste doit être en haut aussi en train de jouer aux jeux vidéo, quelque chose comme ça. D'accord? Oui. Donc, Émilie, c'est un cas un peu difficile. Elle a arrêté le catéchisme il n'y a pas longtemps. D'accord? Elle est en phase de rébellion. Oh non, mais les gosses, écoute, Valoche, les gosses, faut les mater. C'est comme les chats. D'accord, vraiment. D'accord. C'est ce qu'on va voir. Donc, Amélie, elle est un peu, elle a un caractère difficile. Baptiste, lui, c'est jeux vidéo toute la journée. Son rêve, c'est de devenir une star du streaming. D'accord? Clément, Oui. quant à lui, à mon avis, il doit pas être à la maison. Là, j'ai pas vu sa moto, donc il doit faire des tours et des tours et des tours. Lui, c'est les nanas. Son truc, c'est vraiment. Ah, ça doit être un beau garçon. C'est un beau garçon. C'est vrai qu'il ressemble pas beaucoup à son père. Il ressemble plus à sa mère. Enfin, dans la mesure du possible. Et mon mari, bah, du coup, je ne sais pas. Apparemment, il serait là. Je ne sais pas. Son bureau est tout en haut, au dernier étage. Et moi, personnellement. J'ai toujours entendu parler d'un coffre, il me dit tout le temps il y a un coffre, d'accord? J'imagine que c'est dans son bureau, mais en fait je n'en sais rien, d'accord? Oui. Souvent il se confie beaucoup à Émilie, donc à mon avis elle doit savoir où se trouve le coffre, je ne sais pas, hein? Personne ne me dit rien ici dans cette maison! Ah ben écoute, dis-moi où elle est, Émilie. Moi, je vais aller lui parler. Parce que ça suffit. T'es ma meilleure amie. Maintenant, t'es ma princesse. Donc, personne va te manquer de respect dans cette maison. Et en plus, je suis ton bodyguard. D'accord? Trois étages, rez-de-chaussée c'est cuisine, salon, d'accord? Deuxième étage c'est Clément, la chambre parentale, Clément, n'importe quoi, Baptiste et la chambre parentale. Deuxième étage, ça sera Émilie qui a pris toute la place. Cette pétasse. Et Oh, après, c'est ta fille quand même. non, ce n'est plus ma fille. Elle a arrêté le Ah catéchisme, elle m'a fait la honte. oh, mais t'es dur, Et hein. Tu troisième sais, étage, le bureau de monsieur. moi non plus, j'aime pas le catéchisme, j'en ai mangé une fois, c'est pas terrible, hein. Te comprends, Raymond. Je te comprends. Je te laisse faire. Je ne sais plus où donner de la tête. Je me laisse faire. Je me laisse accompagner. Raymond, c'est à toi de décider. Bah. Je vais monter, moi je vais aller directement voir Émilie, moi. Directement voir Émilie. Je vais directement voir Émilie. Tu avances dans le couloir, t'as le cerf immense, des symboles républicains, dirons-nous, en or, un tablier. Ah, je veux regarder sur un des symboles républicains s'il n'y a pas un bouton ou un truc secret. Parce que j'ai vu dans les films que souvent, il y a des trucs, genre si tu appuies sur le nez du cerf, ou que tu chopes une corne et que tu essayes de la tirer vers le bas, ça ouvre un truc secret. Tu me fais un jet de volonté. Avec une compétence qui serait liée au hasard, donc laquelle? Gestion du personnel pour gérer un petit peu tous les trucs. T'as pas une autre compétence? Je peux pas la valider celle-là. Dans le contexte. Hey, Faut j'étais négocier avec le petit sorcier moi il y a Clément, ils deux milliards de disent. jours. Hein. Faut négocier avec le petit Clément, il doit savoir où est le coffre. Oui, tu me disais quoi? Ah non, j'ai pas de Et bah sera compétences. sans compétence, volonté. Oh, nul. Hein? Nul. Wow. Oh, double 6. Oh putain. Je te jure, double 6. Je te jure, double 6. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 3 double 1. Est-ce que je vais faire 3 double 6? Je sais pas, c'est le hasard. C'est les dés qui sont jetés. Oh putain, ça fait du bien. Il y a une sculpture d'une femme nue, comme ça,
complètement tordu, avec un énorme masque triangulaire avec un œil, t'appuies sur l'œil. Et là, dans le mur, t'as le tableau de la Constitution, je sais même plus comment ça s'appelle, la républicaine, là. Oui. Oui. Qui s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un tablier bleu, avec un œil, symbole maçonnique, quoi, mais que tu sais pas reconnaître, puisque tu connais rien. Pour toi, c'est un tablier de cuisine. Ah, et moi je voulais mettre à la cuisine en plus, ça Et à tombe bien. l'intérieur, il y a une petite boîte en or que tu peux ouvrir. Je prends le tablier et je regarde s'il me va. Tu Et je vais regardes ouvrir si. la petite boîte en or. Alors, tu regardes si le tablier te va. Il te va très bien. Tu es désormais en habit de maçon. Qualité bonne. Tablier Est-ce que maçonnique. tu veux le garder ou pas? Ou est-ce sur toi ou non? Bah, moi j'ai appris que, avec ce qui s'est passé, écoute, il y a 2 jours, j'étais sorcier. J'ai cassé mon balai, j'ai cassé ma baguette. Donc, c'est pas les ustensiles qui font l'homme, en fait. Parce que je sais qu'au fond de mon cœur, Wilfried, il me l'a dit, je resterai un double sorcier. Donc, le tablier, je vais le plier et je vais le mettre dans la poche à l'intérieur de ma veste. Parce que si à un moment il y a un concours de cuisine, je serai prêt. Donc, il parle des 10 millions de rétrocognition de Alstom. Dans ce petit. Donc là, tu regardes dans le. Tu gardes le Dans tablier, mais la... tu le retires. C'est ça, Oui, je hein? le retire, je le Ok, mets à tu le gardes sur l'intérieur. toi. Donc, tu auras le tablier maçonnique sur toi. Et dans le petit coffre, tu vois des bijoux. Des diamants. Il y en a pour une valeur, je te le donne en 1000, de 500 000 euros de diamants africains. Et il y a écrit en langage français alternatif, toi-même, tu sais, là, je te ne remercierai jamais lassé. Eh ben les bijoux, je fais, hé, Aloche, Aloche, regarde, je crois que j'ai trouvé un truc, ça a l'air de valoir des pépettes, tu pourrais t'en servir. Mais c'est ma commission. Il a Ah non, planqué ma commission. tu veux aller aux toilettes? Non, parce que tu dois avoir des tonnes de chiottes dans ton manoir. Donne-moi ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ah bah tiens, prends-les. Non mais c'est C'est dingue. bon, Aloche. Quand j'étais jeune et que je travaillais pour Chirac, c'est notre commission. C'est la commission du parti. Par contre, je te préviens, je garde le tablier de cuisine. Le tablier, je déteste ce tablier. J'en ai marre tous les mois. Tous les mois, il m'emmerde. Quand est-ce que tu reviens, Valoche? Quand est-ce que tu reviens, Valoche? Je ne reviens plus dans ces merdes. Dépravé. Merci. Écoute. Elle met dans son sac à main la petite boîte avec les 500 000 Ah, euros de tu aimes pas diamants ce qu'ils africains. font ils font de la cuisine américaine. Je déteste ça aussi. Bon, c'est quoi la suite? Bah, t'as quand même Ben. récupéré 500 000 balles pour. Il aurait fallu un compteur du nombre d'euros qu'on arrive à sur 5 millions, tu sais. Sauvons Valoche. C'est à toi. Je vais monter au troisième étage. Direct. Tu prends les escaliers escarpés. Ils sont tout petits. Tu sais, en fait, ça fait un peu. Au final, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la. Ils ont dû refaire un peu le logement. Au lieu d'avoir des espèces de grands escaliers bourgeois, c'est une toute petite maisonnette. On dirait qu'ils l'ont rétréci à force de faire des travaux pour ressembler à des bourgeois. Et au final, ça fait. Dans l'escalier, tu ressens. Bon, c'est une sensation que t'as pas énormément, mais ça te fait plus penser à une maison de bobo de gauche. Plus tu montes. Plus ça fait bobo de gauche. T'as des vieux trucs africains, ça fait un peu. C'est dépareillé en termes de décor. Au rez-de-chaussée, c'était très bourgeois de droite classique. Mais alors là, il y a un côté laissé-aller complet, de la poussière, des trucs en plastique, etc. Et en passant au premier étage, tu vois que la porte est ouverte. Et tu vois Baptiste en train de fumer un gros pétard. En train de jouer à League of Legends. Non, arrête! Vas-y, t'as pas le skill! T'as pas le skill! Mais ferme ta gueule! Eh, mais ça sent bizarre là. Je me dis, ça sent bizarre. Ça me rappelle un peu ce que les mecs fument quand ils étaient au square là, les punks à chien. C'est Je vais ça. voir. Tu vas t'approcher de la porte. Valérie commence à arriver et elle pète un câble. Baptiste! Pose ça! C'est dégoûtant! Encore avec tes mères! Alors là, Baptiste, il va pour fermer la porte. Il se lève,
comme s'il était pris d'une en plein flagrant délit de branlette. Il se lève, il arrache tout son ordinateur, se tombe par terre à cause du câble de ses écouteurs. Il se lève. Je me mets devant la porte pour pas qu'il puisse la fermer. Toi? Et là, je lui dis, Baptiste, maintenant, tu vas écouter maman, d'accord? C'est parti. Alors, tu feras face à la puissance et à l'agilité de Baptiste, qui représentera du coup... Je me défends du coup, c'est une défense? Toi, ça sera une défense, lui, ça sera une attaque. 7. Il faudra faire 15. J'ai 29. Alors, Baptiste, il arrive. Il se lève, il fait tomber son ordinateur. Il pose ses mains sur la porte. Et de toutes ses forces. Et toi, tu te mets juste comme ça. Gros, gros pépère, Raymond. Tac. Et là, la porte, elle fait comme ça. Hop, et tu vois le mec se projeter à l'autre bout de la pièce. Tac, rebond. Brrr, au bout de la pièce. Il fallait pas me faire des frayeurs. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je lui... T'as l'initiative, là. Je lui prends le joint. Je lui prends le joint et je fais ça, il faut pas. Hein. C'est pas bon, ça rend les gens fous. C'est bon, hein. Vas-y, je me fais agresser, alors je suis chez moi. Non, mais je t'agresse pas. Mais si tu veux bien travailler à l'école et être comme moi, c'est-à-dire sorcier, avocat, futur cuisinier, futur gérant d'entreprise de fromage, il faut pas fumer ça. Bois de l'alcool, plutôt. L'alcool, ça aide à l'action. Allez, et moi, quand je bois de l'alcool, je marche. Et quand je marche, je réfléchis, je pense, je m'élève. Vas-y, le pécor, là, je comprends rien de ce que tu racontes. Moi, j'ai pas besoin de faire de ta gueule. C'est bon, moi, j'ai pas besoin de faire d'études. Ma place, elle est déjà prise. Moi, mon père, il m'a déjà tout fait. Je secoue. Hey, tu me traites pas de pécor. Hein. Alors, tu me fais un jet d'attaque contre sa défense faible pour voir si en le secouant, tu le mets pas KO. Si tu fais plus que moi... J'ai fait 27. Il a fait 14. Oh. Donc 27, ça fait... Ça fait 3d6 de dégâts que tu vas pouvoir envoyer. 3d6 hein. 3d6 plus ta force. 14. 14 dégâts plus ta force. 14. Ah, 14, ok. Ça passe, il est pas KO. Tu l'agites, le mec il est sonné. Et là il est complètement bloqué, mais il est pas KO, il lui reste un PV en fait. Donc là il. Oui, donc vas-y. Écoute, moi je crois en ta maman, je crois en toi, je suis ton nouveau papa. Il regarde l'air effrayé sa mère, et sa mère elle est radieuse. Quel français! J'ai l'impression de voir Vercingétorix. Je suis l'autre, là, Vervin, le gars, là, avec la moustache. Je suis pareil. Je vais sauver la France. Et donc là, sauver toi, d'abord. Le gosse, il est bloqué. Valérie te prend par le bras et te demande de sortir. Enfin, on sort, c'est trop bien, t'es un génie. Tu sais, tu serais tellement mieux que mon mari, machin. Et en sortant, t'as le gosse qui te tire la manche. Et il fait tiens, c'est mes économies, je voulais acheter des Warhammer, mais je sais bien que maman, en ce moment, elle a des problèmes. Tiens. Et il donne 2000 euros en liquide. Plutôt que d'acheter du shit. Hey, Valoche, je vais faire un truc. Je donne 1000. Je donne pas tous les 2000, je garde 50 euros pour Baptiste. Et là, je tends à Baptiste, je fais Baptiste, tu peux t'acheter des trucs meilleurs que des jeux vidéo. Il y a d'autres jeux qui sont pas mal et qui peuvent t'aider pour ta croissance, qui peuvent t'aider pour ta pédagogie et pour ton avenir. Tiens, tu les trouveras sur Internet. Là, je donne le reste. Qu'est-ce que je peux acheter avec 50 molles? Tu peux acheter 2D6. Lien en description, acheter 2D6, bande de... Hein. Allez, salut, là, bande de... Ouais, hop, là, c'est fini. Pardon. Ok, très bien. Vas-y, je vais aller voir ton truc, là. C'est mieux que Warhammer. Hey,
C'est mieux que Warhammer, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal à me concentrer, à faire des petites figurines. Ça m'énerve, j'ai envie de les casser. Non mais Alors là, que là. je suis sur le site, là, c'est 450 pages, je vais jamais lire tout ça. Écoute, et si moi j'arrive à lire 450 pages, tu peux y arriver. Je crois en toi, Baptiste. Allez, 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 allez. Il ferme la porte, il est content, il a gardé 50 balles. Tu ajoutes à la cagnotte, donc tu avais donc 500 000, plus les 300, 500 000 plus plus les bah, du 300 en coup. liquide qui restent, plus Ouais. du coup, là, ça sera 950 euros de plus. Bah Non, non, c'est 2002. 1950 euros. C'est 1990. Non, 1950 euros. T'avais 2000, il t'a donné Ah 2000 oui, en liquide, putain, t'as oui, donné 100. je lui ai donné 50 balles, oui. Donc 1550, plus 300, plus 500 000. Très Ok, beau c'est placement bon. de produit. Bah ouais, il est bon, il est bon. Il m'a Mais surpris là. T'es bon, Raymond. je suis un présidentiel. T'es un bon, t'es un bon. Tu pourrais vendre n'importe quoi. On en est où de la cagnotte de Valoche là? Alors là, on est à. Parce que alors je suis un présidentiel, mais je suis pas un mathématicien, les mecs. 500 plus On est à 1950 plus. 500 2250 euros pour Ouais. la cagnotte de 500. Valérie Piécette. Ok. On va pouvoir passer à l'étage supérieur. On y va. Allez, je te laisse faire. Valoche, elle te tient. Elle est avec toi. Il va falloir que tu avances avec elle qui est à ton bras. Alors, je fais attention, tu es chez toi, mais je sens le danger. Ça sent le danger. Et moi, je suis Pâté Raymond, mais quand on m'énerve, je suis Danger Raymond. Ou Raymond Et donc, Danger, je sens le danger. selon Selon où j'habite. l'incointance qu'il y a devant moi. Et je te fais entièrement confiance, mon Gaulois. Ah, ça me fait plaisir, parce que Titine. Elle m'appelait pas mon Gaulois, elle m'appelait connard ou elle m'appelait pas. C'est Allez, vas-y, gentil. c'est parti. Hop là, je monte. Qu'est-ce que je vois là quand je monte? Une porte, enfin deux portes fermées qui donnent sur la même chambre, semble-t-il, d'après ce que te dit Valoche, dont une porte laisse échapper de la musique et de la fumée. De la musique et la fumée. C'est quoi comme type de musique? Du rap. Oh non, mais je. J'en ai marre, ils écoutent tout ça, les jeunes. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je vais devant la porte et je toque gentiment, parce que c'est une fille, donc je vais pas être agressif. Tu entends s'agiter. Je suis pas. Baisser un tout petit peu la musique et. Ah oui? Oui, c'est Raymond. Je suis le bodyguard de ta mère. Est-ce que tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Non, je peux pas, là, je suis en train de travailler. Tu travailles avec du rap, c'est pas très constructif comme truc. J'ai besoin pour me concentrer, merci. Il y a un pourboire sur la table. Un pourboire sur la table. Il y a 50 balles. Sur la petite table en face de la porte. Tu peux l'ajouter à. Je donne les 50 balles Allez, à vas-y, Valoche. tu ajoutes 50 balles à la cagnotte. Hop là. Raymond a quitté le French Dream pour rejoindre les élites de la no ne Nation. Ah oui, Nation, d'accord. Bon bah du coup, je vais à l'autre porte. Ok. Elle est fermée. Mais on entend moins la musique de rap. Je toque. Aucune réponse. La musique camoufle le bruit. À la musique, mais de l'autre. C'est la même pièce, je te dis. C'est le même espace, mais c'est deux chambres. Valache, elle te dit, en fait, elle a absolument voulu avoir un grand espace. On a cassé le mur porteur. Donc ça a failli s'écrouler. Ça ne tient qu'à un fil. Pour qu'elle puisse s'offrir le luxe, alors il y a des poutres, d'avoir un espace Instagram, je sais pas quoi. Elle est complètement folle, cette pauvre fille. Eh ben, tu sais quoi? Moi, tout à l'heure, quand j'étais dans la ruelle avec le scooter, j'ai eu une illumination. En fait, j'ai un pouvoir, c'est que je suis un peu comme Jésus quand il est charpentier. Je suis Jésus-Christ charpentier, Raymond Danger.
un présidentiel, je vais tenter, grâce à cette compétence, de fracturer la porte le plus proprement possible. Et discrètement ou pas? Et discrètement. Alors, si tu ajoutes la discrétion à la propreté, ça t'augmente ta difficulté. Si tu fais seulement discret, c'est un peu plus bas. Et si tu défonces juste la porte, évidemment, en un coup, tu pourras la défoncer. Et si tu échoues, en fait, tu feras du bruit et en plus, elle ne sera pas ouverte. Bah, je vais le faire avec juste discrétion alors. Genre le middle. Allez, c'est parti. Ça sera difficile. Donc. Mais pas plus, parce que malgré tout, il y a de la musique, la discrétion sera ton Ouais. bonus. Donc on part sur une base de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aya, la fille J'ai est fait 28. sur OF et Insta. Faut prévenir le père exorciste. T'as fait 28? Ouais. Ça passe. En fait, tu prends tes mains avec le tablier maçonnique de cuisine. Tu places et t'arrives à le bloquer dans le truc et tu tires comme ça et la porte s'ouvre simplement. Comme ça. Et plein de ressources, le Rémi. Plein de Valache ressources. est impressionnée. Elle est toujours à ton bras. Elle fait, on fait quoi? On fait quoi? Tu vas aller reprendre ton autorité de maman maintenant. D'accord? C'est chez toi ici, c'est pas eux qui paient le loyer. Mais comment je fais? Et comment tu fais? Viens avec moi. Moi, je rentre dans le truc et je vais voir la fille. Jeune fille. Comment ça se fait qu'on n'ouvre pas à sa mère comme ça, à ses parents? Je suis ton nouveau papa. Tu entres, il y a l'équivalent d'un décor Instagram Disney. Des espèces de feuilles en plastique, tout un décor mi-rose, mi-vert, avec une plateforme de DJ, des caméras je sais plus comment ça s'appelle, les Redbox, là, les caméras Caméra ultimes, raide? là. Hein? Les raids? Oui, les Redbox. Ah putain, Caméra Red, installation. Avec un petit endroit girly, avec deux micros pour inviter des copines, machin. Ça, c'est vraiment, elle s'est installée un espace total web. Mais elle. Ce que dit Valash, regarde bien ça, ça s'est coûté des fortunes. Elle ne publie même pas une seule des vidéos. Bah oui, mais tu sais que si elle publie, là tu reprends tout le matos. Moi, une fois, j'ai bossé dans un magasin qui vendait de l'électroménager et des trucs pour la vidéo et tout. Là, il y en a pour un bon paquet d'oseille. Hein, Ah bon? si tu le revends. Ah oui. Ben voilà comment rembourser la campagne. Et là, à gauche, il y a le mur qui est explosé, mais pas totalement, tu sais, avec un rideau rouge. Et tu ouvres le Wow. rideau. Et là, tu vois un écran girly, machin, lit 3 places en cœur. Truc horrible, quoi. C'est vraiment girly américaine. Des posters de rap, des trucs comme ça. Et là, c'est enfumé, ça pue le shit. Et t'as deux noirs allongés sur le lit et l'autre qui est en train de faire leur affaire. À poil, Non, mais en non, mais string. faut pas faire des trucs comme ça. Mais non. Mais Et là, elle se non, mais c'est retourne, pas vrai. bouche remplie. Mais qu'est-ce que vous faites là? Donc là, Valoche, elle est rouge. Blocage psychologique, que fais-tu? Là, elle est susceptible de tomber dans le coma, là. Jeune fille, j'arrive, je lui mets une claque. Tu me vides cette bouche. Bam! Hey, le chocolat, c'est très bon, mais c'est pas ce type de chocolat, d'accord? Alors là, tu vas mettre une claque à la meuf. Elle va, je fais, je tente sa défense avec une surprise, mais normalement ça devrait le faire. 7, il faudra faire 17. Et 25. Ça passe. Donc, elle se met comme ça. La main épouse parfaitement. Elle crache un jet de foutre sur ton tablier maçonnique. Que Oh tu venais de. non! Tablier de cuisine! Je sais pas. J'avais prévu de faire des concours de cuisine avec ce Ah tablier. bah là tu vas pouvoir faire du fromage. Hein. Oh. Le bon goût, le bon Le goût. bon goût, t'es là avec ton tablier dégueulasse là. Et elle est toute rouge. Et Valoche, elle fait mais qu'est-ce que tu fous? Vous dégagez! Et alors là, les deux noirs ils se lèvent. Et il y a c'est Lucky Luke. Ils savent pas comment réagir.
T'as claqué la meuf, d'accord? Ils ont vu la puissance, mais ils ont envie de te dégager. Parce qu'ils n'ont pas fini. Eux, ils sont partis pour la soirée, là. Donc là. Putain, les gens me regardent. Ah oui, bah, si t'écoutes ça. Là, en fait, il y a un fight de regard, une baston de regard qu'il va falloir gagner pour impressionner les deux noirs, deux blacks, de banlieue, pour les décider à sortir. Donc là, c'est ton tour. Mets toutes les chances de ton côté pour dégager ces deux mecs sans avoir à passer par la bagarre. Alors, je vais faire cette action-là. Il y a mon flingue là. Je vais juste lever un petit peu ma chemise pour montrer mon flingue. Je vais prendre ma dernière fiole de PE. Je vais retirer le truc. Je vais boire en même temps et je vais fusionner en les regardant. Et je vais fusionner avec grande Tu gueule. pourrais utiliser ton cigare. Ah Je te donne putain, oui, 3 des bon. 6, et comme ça te donnera vraiment du style. Je vais allumer mon cigare, montrer le flingue, je fais, hey, c'est danger. Danger, Raymond. Vous savez ce que c'est le danger? Parti, je Voilà. fais la volonté des deux jeunes hommes en rut. Ok. Ça sera donc un Alors. jet un tout petit peu plus que difficile, d'accord? Je pars sur une base de 16. Je ne donne pas le résultat. Aïe, aïe, Les aïe, dés sont aïe, 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 jetés. aïe, aïe, aïe. Même en fusionnant. 29. Tu as fait 29, il fallait faire 19. Hey. Maintenant, ça dégage. Pour offrir une tartine de rillettes à Valoche. Merci beaucoup. Là, les deux banlieusards, ils sont comme ça. Ils remettent leurs pantalons, ils commencent à s'habiller. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Et franchement, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Alors, tu as fait 29, tu me jettes donc 3 dés de 6 de PE que je vais jeter à ta place. Et toi, tu me jettes tes 3 dés 6 de Ouais. cigares. Donc, 6, ça fera 16 PE perdus. J'ai fait 11, moi. Donc. Ça te fait perdre, du coup, Alors, je suis à moins 4. 6. Ça te fait perdre 4. Ok. 4 Hop. PE et 2 PV à cause du cigare. Oh non, mais pourquoi je fume? Voilà. Tousses, les mecs, ils se barrent. Désolé, monsieur, désolé, hey, on veut pas de problème. C'est elle qui a invité, c'est elle qui a invité. Nous, on n'a rien fait. Nous, on n'a rien fait, c'est elle qui a invité. Hein. J'ai dit, partez. Je pars, je pars. Je suis vraiment désolé, désolé. Et ils partent en courant. Et Valoche, elle est toujours rouge. Là, elle est en PLS. Elle ne peut rien faire. La meuf, elle se cache avec un peignoir en soie et aussi. Elle se cache derrière le lit. Comme ça, tu vois plus que les yeux. C'est encore à toi de faire ton initiative avec ton cigare. Je Ok. t'écoute. Que veux-tu faire? Puisque le but du jeu, on le rappelle, c'est pas de chasser tous les noirs qu'il y a dans la baraque, mais simplement récupérer du fric, quelque part, caché. Bon, je me mets comment dire, à hauteur de la jeune fille. Je fais, écoute, calme-toi. Les bêtises, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à moi aussi. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que t'écoutes ce truc. Eh, c'est pas de la musique française, d'accord? Donc je vais sur son ordi et je vais te faire écouter un truc. Je tape Jacques Brel sur YouTube. Entrée. Ça, c'est les ports d'Amsterdam. Alors, La Amsterdam, fin, c'est pas en je France. simule, je simule. Donc là, elle est cachée avec la joue rouge comme ça, et elle entend. La France du porc qui pisse et qui sente les porcs et qui suinte dans le port de Écoute la ça, écoute. merde. La femme qui pisse sur les gens. Écoute comme c'est beau. Les pauvres qui ramassent le caca moisi. C'est la France qui pleure. C'est la France qui pleure. Écoute, Qu'est-ce que tu ça as... c'est de la Elle est choquée, musique. hein, elle ne comprend pas, elle se laisse porter par la musique. Je la laisse là, je lui dis, bon, écoute, pour te faire pardonner, parce que t'as fait beaucoup de peine à ta mère, on va utiliser ton studio de cinéma et on va le revendre. D'accord? Valoche. Commence à
Elle fait, je vais m'occuper de ça. Mais comment on va revendre ça? Enfin, il y en a pour combien en évaluation? Alors elle Je regarde demande à sa sur fille. Internet, je vais faire l'évaluation. Non, toi tu peux pas. Elle demande simplement à sa fille. Mais de toute façon, elle est choquée. Elle demande à sa fille. Et elle dit, il y en a pour 300 000 euros de matériel. Voilà. Mais Valoche, elle se retourne vers toi. Elle fait, non, mais on va pas gratter tous les centimes. 300 000 euros, c'est bien, mais on en a pour des jours à revendre tout ça. Et en plus, moi, ce que je veux, c'est le coffre. Avec mon argent. L'argent du foyer. Il a dit en cas de problème, on a des millions, je veux les millions. Il me faut 5 millions. Je demande à la fille, est-ce que tu as entendu parler d'un coffre? Allez, jet de volonté avec bonus. Alors, attention. Tu regardes Ouais. dans ses yeux, parce que là, on est vraiment sur la fin du scénar. Elle sait. Tu sais qu'elle sait dans ses yeux, mais elle ne veut pas le dire. Ce sera un jet Oui. trop difficile avec un malus pour elle. Oh. Si tu réussis à passer cette étape, tu auras simplement l'accès au coffre. Ou en tout cas, tu sauras où il est. Si tu ne passes pas cette étape, il faudra que tu cherches par toi-même ou par un autre moyen, et on tardera pas à échouer. Je t'expliquerai pourquoi. Je prends un cigare et je vais fusionner. Tu fumes ton cigare d'abord? Ouais. Vas-y, 3D6 et moins 2 PV. Attends, faut que je fusionne déjà. Meilleure reprise de Jacques Brel de l'année, voire du siècle. Ok, alors là, hop. Putain, avec volonté en plus, ça fait chier. Je peux pas faire une attaque. Non, bah non, je peux pas faire une attaque. Volonté contre volonté. Aïe, 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 T'as ok. combien là? Tu t'as récupéré combien sur TPE? T'as récupéré tout TPE? Ah putain, excuse-moi. Oui, j'ai récupéré tous mes PV. Et tu enlèves 2 PV. Ouais, c'est fait. Ok, donc, je fusionne. Tac. J'ai lancé de mon côté. Fait 29. En fusionnant? Ouais. Pour avoir des bonus, tu mettrais quoi de ton côté? Avoir des bonus, je mettrai le fait que elle vient quand même de se faire gangbang par deux gars. Ok. Il y a sa mère qui est rentrée, elle doit être en panique, elle Voilà. a pris une grosse claque. Ça sera 2 et 2. Ok, donc ça Et fera quand 4 de même, plus. Raymond Danger, il est super stylé, quoi. Allez, on rajoute 2. Ça te fait plus 6. T'en as à combien? Et du coup, je suis à 30, 40, 50, 5... n'importe quoi. 35. Ok, donc moi je vais pouvoir appliquer ma difficulté. 24 plus 10, 34. Je te valide tes 6 points de bonus. Si Merci. c'était en dessous, vraiment là, j'aurais pas pu aller plus loin que 6 points. Mais dans le contexte, je peux pas laisser faire un truc pareil. Je lui accorde, le mec. Merci. Elle fait, ah, le coffre pour la sécurité, mais papa, il veut pas qu'on donne à Valérie. Est-ce que en fait, Valérie, elle fait n'importe quoi avec l'argent. Et papa, il dit, si on lui donne l'argent, après, elle va se représenter et se représenter, et tout l'honneur de notre famille va crouler. Nous, on doit être placés quelque part. Et si les enfants, on porte son nom, si on est ridiculisé, on n'aura pas de carrière. Il y a un moment, faut penser aussi à ses enfants et ses petits-enfants. Mais le coffre, il est simplement dans son bureau, et puis c'est tout. C'est à ses pieds. Il dit toujours, moi, l'argent, il est à mes pieds. J'ai le monde à mes pieds, il dit. J'ai le monde à mes pieds. Hey, tu appelles pas ta maman Valérie, tu l'appelles maman. Non, c'est pas comme ça que ça se fait dans la famille. On appelle Valérie et même papa d'ailleurs, je l'appelle pas papa, je l'appelle Jérôme. Non mais Valoche, quand même. Moi je ne peux rien faire là. Bon, on va aller voir le bureau de ton papa, de Jérôme. Jérôme. Maintenant, laissez-moi. Vous sortez. Tu repères, avant de sortir, que sur son bureau, les mecs qui sont partis ont laissé 150 000 euros de drogue sur la table. C'est écrit dessus, à l'étiquette. 150K. Et tu sors. Je te le dis, soit dit Je en le passant. prends. Hein? Je le prends. Tu le prends? Bah bien sûr. Tu prends le sac que tu. Ah, j'ai pas le j'aurais pas Ah! dû. Tu prends le sac. Le guet-apens. Ok. De 150 000 euros de drogue
diverses. Enfin, c'est des sacs, c'est assez compact. Okay. Et tu montes au troisième étage. La porte est fermée, mais pas à clé. Que fais-tu? Valoche est derrière, elle a peur, elle est encore tétanisée, et elle est là. Ma femme est parabolo, ma femme est parabolo. Après ma carrière, voilà mon mari, voilà ma fille, et mon fils. Tout parabolo, tout parabolo, tout parabolo. Elle se répète comme ça. Elle est complètement Valoche, hystérique. Fais pas de bruit. Je vais tenter d'écouter à la porte, voir si j'entends quelque chose. Volonté, s'il y a quelqu'un, plus une compétence. Voilà. 22. 16. Tu entends avec certitude qu'il n'y a rien dans cette pièce. Ok. J'ouvre. Oui, attends, loup solitaire, ça, on a réglé le truc il y a longtemps. On a ouvert un Discord. Je vais laisser les gens t'expliquer. Dans le chat, si t'as pas de potes pour jouer, t'en trouveras facilement. On a monté toute une équipe de. Oui, voilà, c'est. Va faire un tour sur le Discord, etc., etc. Donc, vous en faites pas. Si jamais tu veux jouer, tu peux. Dès maintenant. Tu ouvres la porte. C'est un bureau acajou, style africain, avec tout un tas de masques africains, etc. Nickel, style empereur africain. Chaise 2 500 €, chaise royale, bois. Chaise de Louis, quoi. Et t'as le champ libre, il n'y a personne, comme convenu. Il n'y a même pas d'alarme ou de sécurité. Je regarde sous le bureau, parce que elle m'a dit, la fille, toujours à mes pieds. Sous le bureau, il y a un tapis. Au sol. Un petit tapis. Je soulève le petit tapis. Il y a une moquette avec un carré. Un carré de moquette, comme découpé. Je soulève le carré de moquette. Il y a des planches de bois découpées. Je soulève. Il y a un coffre avec un numéro. Petit coffre blindé. Avec un code. Je prends le truc. Je le mets sur la table. T'arrives pas à le sortir. J'arrive pas à le sortir. Trop lourd. Il est fixé. Elle est fixée. Mais Valoche, t'as pas une idée de ce que ça pourrait être le numéro? Ben là, franchement, ça part tellement à volo. On pourrait partir du principe que ça. Normalement, il y a quoi? Il y a. Ta date de naissance? Hein? Ta date de naissance? C'est vu comme lui-même, ça m'étonnerait. Tu vois, moi, c'était sur mon portable, c'est la date de naissance de Titine. Ah ouais, non, bah on pourrait essayer ça. Normalement, ça devrait être ses enfants. Parce que c'est quand même de l'argent qui est réservé à l'avenir de ses enfants, soi-disant. Mais finalement, ça va sur ses putes. Eh, moi, je regarde sur le tablier de cuisine, voir s'il y a un numéro. J'ai de chance si tu atteins 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si tu atteins 20 avec un jet de chance, il y a le numéro. Ah, mais niveau compétence. Oui, tu peux partager par derrière le lien dans le chat du Discord. Merci d'ailleurs de le faire. Bah, c'est mort, j'ai pas de compétence de chance. Donc. Et bah, tu fais un jet de volonté pute. De pute. De pute. C'est un coup de pute. Eh, hein. T'es sûr que t'as pas de compétence? Bah, non. Gestion du personnel, grande gueule, grand marcheur, échette. Normalement, je regarde juste sur le tablier, quoi. Bah, t'as qu'à utiliser ta compétence de fromagiste fromagéré, puisqu'il y a du fromage dessus. Ah pas n'importe quel type de fromage. C'est un fromage de. Allez, je te valide le pouvoir magique fromagiste fromagéré. Okay. Sans coup de PE et t'auras juste un malus de 2 que t'enlèveras. Il faudra atteindre 20. Bon bah ça déconne parce que j'ai fait 16. Ah oui, donc 16 moins 2, y'a rien. Tu n'as pas le code, tout simplement. Tu as juste les doigts pleins de foudre. T'as cherché, gratté. Ah bon, mais moi, j'ai dit cuisinier, pas pâtissier. Le sucre glace, c'est pas pour moi. Alors, je t'explique. Là, tu entends, en bas, une panique. Puis ça monte, et il y a la fille qui fait « Maman, je suis désolé. Ils reviennent. Ils viennent chercher la drogue. Ils reviennent, ils sont pleins. Ils reviennent, je sais pas combien ils sont. Il faut qu'on parte. » Pourquoi partir? Moi, je l'ai, le truc. Leur donner. Ils arrivent, ils sont vraiment très vénères. Je te laisse faire ton choix. Dans 3 tours, ils arrivent.
Dans 3 tours, ils arrivent. Je sais pas combien ils sont vénères. Ok. Tu connais le code? Mais non, je connais pas le code. Personne connaît le code. Ok, bon, ce qu'on fait, Valoche, tu t'occupes du code. Moi, je vais aller voir les mecs et je vais leur donner leur drogue. Eh, hey, on m'appelle pas danger pour rien. Je vais te donner une possibilité, Pierre. Vas-y. Vous avez la possibilité de faire 3 codes avant que le truc se bloque. Si tu emploies Valérie pour faire le premier code, elle mettra le code de ses enfants dans un sens. Tu pourras le retourner dans les 3 sens, si c'est ça, ou partir sur un code comprenant sa date de naissance plus la date de naissance de Valérie ou quoi. T'as juste à choisir quelle stratégie. Moi, je l'ai la réponse. Je sais exactement dans quel ordre et quoi, et à quoi ça fait référence. Ça peut faire référence au lieu d'habitation, aux 3 lieux d'habitation ou 3 logements qu'ils ont eus. Donc les 15e, 16e, enfin les 3 lieux qu'ils ont habités. Ça peut faire référence aux enfants ou à eux et leur mariage et à leur date de naissance. Donc leur mariage et leur date de naissance. Il y a 4 numéros à mettre ? 3. 3 ? Les 3 endroits où ils ont habité, leurs 3 dates de naissance et de date de mariage, ou les 3 dates de naissance des enfants dans un ordre précis. Donc tu peux focaliser sur une des pistes et les tourner dans tous les sens, ou... Attends, je peux pas mettre... Le truc, c'est qu'il y a 3 chiffres à mettre. Je peux pas mettre... c'est pas 3 dates de naissance. Non, mais c'est la date de naissance, le jour de... Elle sait. Elle sait que de toute façon, c'est toujours un de ces codes-là. C'est juste... Moi, je te demande de choisir entre date de mariage, lieu d'habitation ou date de naissance des enfants et tester le sens. On va en parler après, mais déjà, Valoche, elle t'a dit, j'essaye quoi en priorité? Qu'est-ce qui est le plus plausible? Tu testes les enfants. Dans quel sens? Dans l'ordre. Dans l'ordre où moi je les ai vus. C'est-à-dire D'abord Baptiste. D'accord. Après l'autre là. Ok. La meuf. Et ensuite le mec qui est pas là. Ok. D'abord Baptiste. Ensuite Émilie. Et après Clément. Elle teste. Ce n'est pas ça. Tu peux faire un jet de perception ou un truc comme ça pour amplifier ton instinct et enlever une des pistes fausses, si tu le souhaites ou un truc comme ça. Je vais prendre du coup, je vais faire un mode expert. Je vais prendre mon demi-tour pour faire grand marcheur et faire les 100 pas dans la pièce en réfléchissant et en connectant mes pieds avec mon cerveau. Ça me va. Donc il faudra atteindre... 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est 7. Si tu atteins... Ah merde. Écoute-moi. J'ai cassé. Si tu atteins 35, tu auras... Écoute-moi. Ouais. Si tu atteins 35, tu auras 2 pistes éliminées sur les 3. Si tu atteins 21, tu auras une piste éliminée et en dessous, tu n'as rien. Avec volonté. Hein. Avec volonté plus grand marcheur. J'ai 23. 23, tu as une piste éliminée. Ce n'est pas la date de mariage de Valérie. Ni tout ce qui entoure leur mariage. Il reste le lieu d'habitation. C'est pas les enfants que j'ai testé. C'est pas la date de mariage, donc c'est les logements. C'est ou les logements ou les enfants. Mais dans un autre sens. Pareil pour le logement. Donc là, il te reste 2 essais. Fais ton choix dans... 20 secondes. Fais les gosses, mais dans le sens inverse. Dans le sens où tu les as eus. Où vous les avez eus. Donc. Je ne suis pas leur vrai papa. Je suis le papa d'amour, moi. Le papa de cœur. Clément, Baptiste, Émilie. C'est ça. Tu valides ? Je valide. Elle entre. Clément, Baptiste, Émilie. Ça s'ouvre. Bah voilà. Eh, quand je fais les... Tu vois, je t'avais dit, la technique du grand marcheur.
C'est pour ça, c'est pour ce moment-là. Je crois dans les synchronicités. Quand j'ai marché toute ma vie, pour arriver à ce moment. Alors, à ce moment-là, on résume parce qu'on est vraiment sur la fin de fin de fin de fin du scénar. Voilà ce qui se passe. Il reste 2 tours avant que les racailles débarquent. Il va falloir que tu gères 2 filles, Baloche et sa fille, qui regardent et qui commencent à sortir les billets. Et là, mais il y a combien là-dedans? Mais il y a 10 millions! Et là, elles se mettent à courir dans toute la baraque. Elles chopent le tablier maçonnique, là, plein de foutre. Elles foutent les trucs dedans. Les deux nanas, elles se battent. Et elles commencent à tirer et à récupérer les trucs dans un fatras impossible. Elles foutent le bordel dans le bureau. Tout se casse la gueule, les masques africains tombent, etc. Je Elles les hurlent. assomme, direct, je te jure. Je les assomme. Non mais je m'en fous, je les assomme parce qu'en fait là, on risque le plus gros, tu vois. Eh, le danger, ça me connaît, donc je les assomme. C'est pour votre bien, les filles. Ah, attends, 2 secondes. Excuse-moi, le chat, le lien du. Le lien Ah, il veut à. le lien du Discord? Ouais, c'est toi qui vas devoir Alors le mettre parce attends. qu'apparemment elle peut pas le mettre. Je le mets, Vas-y, je le mets. on vous le met, c'est gratos. Hop là. Pour que vous puissiez rejoindre. Ok, merci Paderlan, hein. Je suis désolé de t'avoir fait perdre du temps du coup. Hop là, voilà. C'est fait. Donc là, le but, c'est d'en assommer 2 en 1 tour ou 1 par tour. Je prends les deux et je cogne leur tête. Allez, c'est parti. Je vais leur Avec faire les gestion mêmes des stats parce que leur. physiquement elles se ressemblent. Donc ça Ok. sera leur jet de défense. Il faudra que tu surpasses leurs 2 défenses combinées. D'accord? Waouh. Ok, ça marche. Je vais. Alors, putain. Va faire 26. Attends. Je vais fusionner. En fait, juste avant, je vais prendre une gorgée là, de fiole. Fiole. 2d6. Allez. Bah attends, déjà je fais ma fusion et après je calcule Ah, parce que là, t'es les. à plein, là, en PE. Là, je suis appelé en PE. Ok. Allez, vas-y. Donc du coup, hop. On est sur la fin, les mecs, là. Il joue sa vie, il sait très bien. Moi, je vais vous dire, si jamais les racailles arrivent. 33. 33. Tu as dépassé le chiffre voulu. Tu les chopes. Tu les éclates tête contre tête. Et donc, 33, tu feras un jet de. Alors, c'est dommage, hein. 3d6 PE. 3d6, pardon, dégâts. Plus ta force, tu me donnes le résultat et je te dis si elles sont assommées. Attends, je fais les dégâts là? Oui, d'abord les dégâts, on fera les PV après. 3d6 DGT. 13. Et ta force? Ah, 13, 14, 15, 16, 17. KO. Il fallait faire 14. Tombe par terre. Pour votre bien, je vous Tous les aime. billets se lâchent. Le tablier maçonnique par terre. Et là, tu me jettes 2d6 pour ton PE. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Il faudra faire 14. Ah, j'ai fait 10 là. Donc tu perds 4 PE. Donc il te reste Je suis là. 6. Ouais, 6. Donc je ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps. Je sors du bureau, je ferme la porte, je descends le plus rapidement possible vers les mecs avec le truc de drogue. Je dis, messieurs, excusez-moi. Il s'avère qu'il y Mais a là, il eu n'y a un personne. petit Attends, problème. attends, 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 attends. Ah. Ça, c'est les habitudes de Pierre, ça. Lui, là, il attend même pas, c'est de savoir si. Ok, tu descends avec la drogue, t'arrives à la porte, Omar et les autres sont plus là. T'entends la porte qui se défonce, t'as 5 motards, ils t'entourent, ils font le Oh. tour. Oh. Avec des kalachnikovs, des flingues. Blablabla. Ah, je le reconnais, c'est lui. Ah, c'est lui, il a tapé la fille. Il a tapé la fille. C'est lui qui a volé, c'est lui qui a volé. Hop, les autres, ils sont en PLS, tu les vois au bout. Les trois, ils sont pas morts, mais enfin, ils se sont pris une batte de baseball. Là, tu peux me dire ce que tu fais. Bah, je sors le sachet de drogue. J'ai messieurs, c'est à vous ça. Vous l'avez oublié. Le leader descend, les autres continuent à tourner. Vas-y, vas-y. Déjà, t'as niqué ma journée. Direct, t'as niqué Kamas, t'as niqué. Vas-y, file-moi ça. Il file à son pote, l'autre il commence à compter. T'as touché, t'as pris dedans. T'as pris dedans. Moi, je prends pas de drogue, hein. Je suis pas ce genre de gars. Ok. Et je connais la valeur du business, monsieur. Si ça, c'est votre business, je le respecte. Il te fait une baston de regard, tu me fais un dernier jet de volonté pour voir si ça passe. Ok.
Je fais 21. Ah, putain. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah si, c'est bon, 20. Il teste. Ah si, c'est Tu es bon. sûr? Bolos. Ils reprennent les motos. Ils se cassent. Oh, vous avez tout dégueulassé là. T'as Omar, Mamadou, les autres, ils arrivent. Clopin-clopin, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, t'as réussi à les faire fuir, bravo. Bravo, J'ai réussi Raymond. à la faire. Hey, c'était moins une, vous faisiez quoi, les gars? T'es un vrai, Raymond, t'es un vrai. Je suis un double sorcier, hein, Elles ont attention. pas eu trop peur, hein, Valoche et Ah bah, elles ont Émilie. eu peur. Attends, elles ont même fait un petit malaise. Je les ai mis tranquilles en haut, t'inquiète pas. Raymond, dans cette situation, tu peux décider de ton destin, puisqu'on est sur la fin du scénario. Il y a 10 millions d'euros au troisième étage, avec deux filles KO. L'autre qui est en train de jouer aux jeux vidéo, il sait même pas ce qui se passe, il a rien entendu. Omar qui te fait confiance, que choisis-tu de faire pour conclure le scénario? C'est mon bilan. Tâche en libre. Je remonte en haut. Ah putain, mais non, mais attends. C'est compliqué parce que là, c'est du roleplay là. Il a Qu'est-ce que gagné hein, ferait. le scénario, donc il a le droit champ libre. Qu'est-ce que ferait Raymond Patin en fait? Raymond Pathé devrait avoir une compétence regard bovin, j'avoue, pour la prochaine, il faudra faire ça. On sait pas s'il s'en bat les couilles ou s'il se rend juste pas compte de la situation. Il rigole pas, le Raymond. Je vais alors là il y a 10 millions en billets hein, donc en fait ça dette c'est bon hein. Si tu lui laisses, ouais, elle se réveille et après elle se démerde. Tu peux lui Et ben écrire le poème et lui poser, lui faire Valo, je t'aime, enfin tu peux faire je vais n'importe faire quoi. un... je vais remonter vite fait, je vais prendre une petite feuille de papier, un petit une petite avec mon stylo en or là, non, c'est dans mon stylo qui est bon, je vais écrire un poème du coup sur synthétique. Oh synthétique, oh ma valoche, que tu es belle avec ta fourrure synthétique. Nanani nanana nanana. Et je vais poser le poème. Mais tu dis Et quoi dans le poème? Qu'est-ce que ça veut dire le poème? Vas-y, ben, en fait, fais-le-nous. mais non, mais je suis nul en poème moi. Allez, fais-nous un poème pour conclure. Attends, attends, Je fais un mélange. si je leur demande de mettre plus 1 pour savoir si on a le poème, ils vont Non, tous mais dire non, plus mais 1. je suis très nul en poème. Fais-moi un poème d'improvisation pour me dire ce qu'il essaie de dire, vraiment. Bah, il dit, il part du mot synthétique. Non, Il fais-moi du comprend. Raymond. Tu me cites le poème de Raymond. Oh, Allez. Valoche, quand je t'ai vu, la première fois, tu étais en pleurs. La deuxième fois, tu étais nu. La troisième fois, tu étais en fourrure synthétique. Tu es la synthèse de tout ce que j'aime et de tout ce que j'ai vécu. Valoche, je t'aime. Raymond Pathé, danger. Et je pose le truc, me dis, là Raymond, je fais, et là, il y a 10 millions, ils m'ont dit. Moi, je pourrais peut-être partir avec cet argent que j'ai honnêtement gagné, en fait. Tu veux prendre Et je combien? pourrais peut-être faire un gros cadeau à Titine. Tu veux prendre combien sur les 10 millions? Sur les plus que 10 millions d'ailleurs, parce qu'après il y a tout Ah le. non, 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 c'est que ça, là il y a 10 millions par terre. Et moi, dans ma poche, j'ai 500 et quelques mille. Non, c'est elle qui l'a dans son sac. Ah merde, bon, je vais pas lui voler. Écoute, je vais prendre une poignée de billets. C'est tout. Une grosse poignée de billets. Et c'est là que se réveillent ton petit démon et ton petit ange. Oh, pas vous, pas vous. Pas Petit ange vous. dit non, Raymond. Raymond, tu es français. Tu es un homme heureux. Bien dans ta peau, ils mettent tous plus 1, ils voulaient le poème. Pourquoi faire ça? Que vas-tu faire de Valoche? Vas-tu la quitter? Tu ne veux plus jamais la revoir? Écoute, je sais que Valo, je suis un peu amoureux, mais au fond, c'est Titine que j'aime quand même. Et là, il y a le petit diable qui fait prends tout. Prends tout. Allez. On fait le dernier jet pour savoir si c'est toi qui décides de prendre la poignée ou non. Merci. C'est 23. Et faire 30. Oh là 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 là. Tu vas pour prendre la poignée. T'y arrives pas. Tu prends ton stylo et t'écris.
C'est ici, tu rajoutes après ta signature, par-dessus, c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère que tu arriveras, en remboursant ta dette, à te remettre sur pied et à conquérir la France. Signé, un Français. Et re-PS Raymond Pathé, encore Signer, non, signer ton français. ton Français. Moi, je retourne à ma vie. Tu laisses le papier, 0 € en poche. Et tu pars, et tu rentres à pied, en passant par le 94, comme tu le voulais. Omar fait. On se revoit pour Battle Royale? Bah écoute, t'as mon numéro, tu m'appelles. Ciao l'artiste! Et là, Raymond Pathé part à 19 h. Le soleil se couche sur son trajet et il rejoint la Cité des Anges. Et il rejoint son pote, Fayed, en retournant au bar. Tu m'en remets une? Alors voilà, faut que tu me racontes. Et là, on pourrait faire les XP, etc. Mais on va pas les faire ce soir. Quoique, tu veux qu'on fasse évoluer Raymond Pathé ou pas? Ah, je crois qu'on est bien parti pour jouer du Raymond Pathé, ce Allez, on soir. va faire évoluer Raymond Pathé. C'est parti. On va faire évoluer Raymond Pathé. Donc, scénario très difficile, réussi. Ça te fera 3500 XP. Et t'auras un x40 sur tes. Et après, on parle avec vous, le chat. Hein. T'auras un Ah, attends, x40. le truc c'est qu'attends, faut que je regarde, j'étais à combien de base? J'ai pas le tableau des Mais évolutions ça, dans on les fera yeux. après. Enfin, t'es à combien de base? T'es niveau 5. Tu as Ouais. 13 300 Ok. de base. On sent. Ok. Ça marche. Alors, Bon alors, on va Fayed. passer au bilan. Je Tu te racontes à raconte. Fayed ta journée. Quels sont tes 5 faits d'armes? Si les faits d'armes sont validés, il gagne un dé qui sera x40 pour augmenter son nombre d'XP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon pâté? Écoute, j'ai réussi à comprendre que, en fait, la garçonnière qu'avait le mari de Valérie, c'était pas un poulailler. Et on est allé dans la garçonnière. J'ai réussi à convaincre le Portugais de me laisser y aller. Non mais attends, là tu Et. mélanges tout. Non, Pierre, tu Non, plaisantes. non, mais j'explique à la Raymond Pathé. Alors attends, déjà, le truc de la garçonnière. Oh, non mais t'expliques à la Raymond Pathé. Pour les clés, pour les clés. Pour les clés, ok. Pour les clés. Deuxième fait d'armes. Ensuite, deuxième fait d'armes. Eh, je crois qu'on a fait des trucs avec Valérie. Pour l'amour. Pour l'amour. Deuxième fait d'armes. T'as quand même. T'es passé sur Valoche pour. Tu l'as décontracté, quoi. Après une défaite, tu lui as offert une belle C'est ça. victoire. J'ai réussi à trouver un tablier de cuisinier et des bijoux. Eh, dans un mur, comme dans les films. Double. T'as gagné 2 dés, là. J'ai réussi à maîtriser des gamins qui n'étaient pas les miens, et tu sais quoi? Je crois ils me prennent un peu pour leur papa. Vas-y, 1 et il te reste 1 XP. J'ai réussi à sauver une famille, et ça c'est beau. Joséphine Pâté gardien. En fait. Allez, tu auras 6 dés de 6 à envoyer qu'on multipliera par 40. Tu me donneras le chiffre, je te ferai la multiplication. Oui, il y aura une rediff, les mecs. On va la laisser en rediff. 21. 21 x 40 et ça te donnera 840 XP en plus. Je pense pas que tu Ok. passes de niveau là. Le Alors, prochain du niveau, coup, ça c'est me fait. 17 500. Alors. Hop. Je passe au niveau. Non, mytho. Si, 17 640. Raymond Pathé, niveau 6, les mecs. En Eh. un scénar, on vient de faire passer Raymond Pathé en niveau 6. C'est pas beau ça, les gars, ou quoi? Donc, du coup, Raymond Pathé sera plus fort, plus puissant. Allez, c'était la fin de. Alors, comment on l'a appelé ce scénar? Valérie Piécette et la cagnotte fantastique. Valérie Piécette et la cagnotte fantastique. Visiblement, Raymond Pathé et sa morale chrétienne française aura permis à Valérie Piécette de récupérer 10 millions d'euros sur son mari qui la trompait. Elle s'est fait plaisir, elle a vécu des aventures, elle a découvert la France au plus profond d'elle-même. Elle pourra l'incarner aux prochaines élections, puisque maintenant elle est remboursée. Elle va pouvoir réinvestir. Elle a même un surplus si elle veut réinvestir 5 millions dans son parti. Et j'espère qu'elle va financer mon entreprise. Les mecs, on passe en mode chat.
On va passer en mode chat. On se fait une pause. Moi, je vais me chercher mon verre de rhum pour fêter ça. Nice, merci pour la rediff. Donc, là, ceux qui étaient là juste pour la partie, c'est bon. Nous, on va se faire juste un petit 20 minutes après avec vous, après la pause, pour vous lire, tout simplement. Et puis, je vous remets le lien du Discord dans le chat, pour ceux qui s'intéressent de venir jouer. Il y a une petite communauté qui se crée. Ça joue quasiment tous les soirs en ce moment. Oui. Donc, pour l'idée, alors oui, normalement, il faut être équipé de... 2D6 Simply System. Vous avez, on le rappelle, en attendant que vous, avant que vous partiez, il y a le Kickstarter qui est en ligne si vous voulez tester le jeu. On le sort en octobre, donc c'est le moment. Hein. C'est le moment de l'acheter. Il est à 20 balles ou 50 balles le tout en ce moment. Il ne sera pas au même prix si on le ressort dans d'autres conditions, je vous préviens. Il sera beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment le moment, de toute façon toutes les informations sont disponibles. Donc à la prochaine, ceux qui étaient là que pour la partie, et à tout de suite, après 2 minutes de pause, pour ceux qui veulent faire un débrief. C'est parti. Allez, à tout de suite. Allez, c'est le retour pour le off. On va enfin pouvoir se reposer parce que ça reste éprouvant les jeux de rôle et particulièrement en live. Vous imaginez bien, on est déjà dans des états de transe quand on les fait en enregistré ou quand on fait des parties pour rigoler. Alors en live, ça reste quand même quelque chose. Sachant qu'on a opté pour un visuel qui met en avant, exactement comme les vidéos, un visuel qui nous met vraiment en avant, qui camoufle pas les erreurs, on va dire ça comme ça. Donc on est vraiment face cam. Moi, je suis au Diplomatico, les gars. Très bon, très bonne bouteille de rhum. Je suis désolé pour toi, Pierre. Apparemment, t'as rien. Non, oh, j'ai pris un petit soft, un petit Schweppes. Très bien, un petit Schweppes. Les mecs, moi, je serais intéressé pour savoir ce que vous en avez pensé, parce qu'évidemment, on vous a vu rigoler, etc. Je vais vous dire vite fait pour le bilan. En fait, on observe que les vidéos montées créent une zone de résistance. On va pas se mentir. Je pense que depuis quand le premier... Comment il s'appelle ? Le premier Mr. Bean, excusez-moi, c'est extrêmement éprouvant.
C'est pire que les lives classiques. Non, mais on en donne Ouais, voilà. tranquille. Depuis le premier Mr. Bean, on observe que en fait les vues sont déclinantes et je crois que c'est le montage qui vous casse. C'est pour ça qu'on a testé le live. Alors la question moi qui serait simple pour vous, là où vous allez pouvoir nous aider, c'est est-ce que pour vous le live, donc sans rien, sans image déjà, rien que. Parce qu'après on pourrait rajouter des images, mais ce live-là vous semble plus utile ou intéressant que les vidéos montées? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Parce que si on n'arrive pas à répondre à ces questions, on est sur de la pure spéculation. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un bug avec l'esprit montage. Alors que pour nous, évidemment, c'est un régal de faire du montage et de préparer des mises en scène. Mais enfin, visiblement, il y a un souci avec ça, en termes de vues. Perso, je trouve vraiment bien les vidéos montées. Bah oui, Ouais, mais en Hypno. fait, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais c'est le paradoxe où il y a vraiment un petit groupe de personnes qui adorent ça, qui adorent ce format. Mais dans l'ensemble, en fait, on fait quand même beaucoup plus de vues et de réactions sur des lives où, en fait, les mecs nous voient prendre le temps de réfléchir, même nous gourer, etc. En fait. Alors, il y a un mec qui me dit de faire un sondage, je vais faire ça. Vous préférez. Bon, après, ça vous empêche pas d'écrire. Ouais, c'est. Je te vois là, quoi. Déjà, il y en a un qui a répondu. Alors, demandez l'avis de la communauté. Allez, c'est parti. Vous avez le sondage qui est là. Je préfère les lives. Et pourtant, c'est un joueur, hein. Ça densifie. Parce que Par j'ai. contre, c'est bien parce que on est monté jusqu'à 200 spectateurs et il y a 162 pouces bleus. Ouais, vous êtes C'est vachement bien. mis au boulot. Le live permet l'interaction, c'est vraiment plus sympa, je préfère les lives. Non, parce que concrètement, avec les jets de dés, pour nous, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que le montage, c'est fait pour éviter de vous embarquer dans des erreurs ou des jets de dés complexes. Là, je vous l'annonce, on a simplifié les fiches. C'est-à-dire que Raymond Pathé, il a une fiche personnage, mais enfin, on l'a ultra simplifié en vérité. Et Valérie Pécresse, Piécette, pardon. Valérie Piécette, bon, enfin, on s'en fout. On a le droit à la parodie quand même en France encore. Valérie Piécette, elle a une fiche de PNJ. Elle n'a pas une fiche de joueur. Perso, je préfère en live, c'est plus humain, chaleureux. Et pourtant, on vous a presque pas parlé, hein. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à placer l'interaction avec les spectateurs. J'ai encore Oui, zappé. ça va venir parce qu'en plus ça peut être vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand t'es MJ, c'est très très dur hein, de le faire sur le moment. Ouais, c'est extrêmement compliqué, mais on va apprendre, on va apprendre. Bon, ils préfèrent tous les lives, en fait. Hein. Déjà, sur 50 personnes, il y a 80% pro live, 20% pro montage. Alors après, je suis sûr que ceux qui aiment les montages, ils aiment aussi un peu les lives, parce qu'ils sont là. C'est ça, le paradoxe. Les lives, c'est plus proche du spectateur, plus sincère, plus spontané. Alors, ce qu'ils aiment peut-être aussi, c'est la prise de risque. Au niveau narratif, c'est de voir le mec... Bah, se démerder avec son scénar. Les vidéos montées sont sûrement meilleures pour faire découvrir 2D6. Bah, j'ai pas l'impression en fait. Pour ceux qui connaissent pas, ben, bah, je suis pas sûr en fait. Là, il évite les cuts qui me rebutent perso. Hein? Ah, les cuts, ça te rebute? Hey, je déteste ces mecs-là. Hein. Qu'est-ce que c'est les cuts là? Les cuts, C'est c'est des mecs quoi? qui vivent dans la forêt, non? C'est une peuplade. Live, évite les. Ouais, bah ok, regarde sur Discord. Bon, Loup Solitaire, je sais pas si. On t'a Je donné le vois lien de pas. Discord, tu cliques sur En fait, Discord. attends. Ah mais oui, bah, attends, j'ai mis plusieurs fois le lien Non, Discord, mais mec. apparemment, il arrête pas de. Il demande de l'assistance. Demande de l'assistance sur Discord, je veux dire. Clique sur le lien, tu vas sur Discord si tu as Discord ou sinon tu installes Discord et puis après les gens vont faire un plaisir de t'expliquer et de t'accueillir. Antoine L, les lives, c'est du spectacle vivant. Après, moi, je m'en fous, hein. Personnellement, le live, moi, ça me va, parce que non seulement ça me demande moins de préparation. Ça nous fait moins de montage, ça je vous l'assure. Hein. Il Ouais. y a quand même 3 jours de gagné ou 2 jours et demi de gagné. Par contre, du coup, le vrai problème du live, c'est que je peux. Parce qu'à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était insérer des dessins, mettre peut-être des mises en scène. Ça va être moyen chaud possible, parce qu'on a testé. Et en fait, le live demande une improvisation. Et je vais pas m'amuser à faire des dessins pendant des heures, qui risquent de pas se retrouver, ou d'obliger Pierre à suivre mon parcours, parce que on l'avait décidé dans le dessin. Hein. On a l'habitude de vous voir en direct en plus. Le public adepte du JDR, ses habitués de longue vidéo, ton public aussi. Ok. Bah écoutez, on va retenter l'aventure live. Les vidéos montées, par contre, on les prépare avec les invités. Là, on aura bientôt un invité spécial. On va le faire en enregistré pour des questions de confort et de technique.
Je préfère pas l'inviter en live. En plus, je vais vous dire simplement, hein, nous on commence à être exercé au truc, mais foutre quelqu'un en live, jeu de rôle, il peut sortir des dingueries en fait. Donc il vaut mieux pouvoir les couper au montage. Et imaginez, live après live, vous vous faites de plus en plus d'audience, l'effet boule de neige. Je manque trop de morceaux de des lives, je travaille en même temps, avec les replays montés, je peux faire pause. Bah oui. Bah après du coup, il faudra faire ça avec les lives. Bah oui. Non mais après, on va alterner, hein, mais... Le fait de créer ses compétences, c'est tellement incroyable, hâte de lire les règles. Et bah, hâte que vous puissiez y jouer. Et on a eu deux nouveaux acheteurs qui nous ont rejoints dans l'aventure de D6. Avec les illustrations, les vidéos montées auraient tout leur sens, effectivement. De toute façon, au final, on n'a même pas le temps de les faire. Donc, après tout, autant les faire en live. Hein. Vos montages m'éclatent. À la limite, on sort des séries quand on a envie de monter une vidéo, on se la monte. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, on fait les vues les plus basses. Et... Après, on fait c'est des comme lives. Ça. Au moins, on se fait plaisir. On déjà ça. Ok. Donc là, on en est où du sondage? Si on suit la démocratie, c'est C'est, je crois que c'est les lives 80%. qui l'emportent. 80 votes. 74 de live. Ça veut pas dire qu'on va complètement laisser les montages, mais... On va se concentrer sur les Mais lives. on va se concentrer sur les lives, ouais. Alors, du coup, les lives l'après-midi, c'est bien les lives l'après-midi. Ah On oui, est bon, alors, par frais. contre, au niveau des dates et des horaires, je pense qu'on va commencer le soir. Ça va pas trop tarder à essayer le soir. On avait Ouais. hésité à le faire demain soir, etc. On va essayer de faire des horaires qui vous sied mieux. Mais bon, je peux rien garantir, là. Live ou vidéo complète donne la continuité dans une logique joueur, les montages, sorte d'immersion, les dessins. Alors, les dessins et inserts posent, pas de soucis, du moment que tous les moments sont conservés. Ouais. Bah, dans le montage, tout est conservé sauf les moments chiants en fait. Hein. C'est, on vous épargne juste les jets de dés. Hein. On est dans la logique joueur. Par contre, là, le vote est biaisé. Tu demandes à ton audience live. De faire. Oui, c'est vrai, bah on. Écoute. C'est vrai. C'est vrai que c'est biaisé. Décidément, la démocratie, cette semaine. Non, mais il a raison, c'est biaisé, c'est biaisé. Bah, vous nous direz en commentaire. Bon, de toute façon, en vrai. On peut faire des sondages en poste? Non, je crois pas. Mais je vais essayer de laisser celui-là, Et de remarque, sondage. c'est possible, je pense, tu peux faire des news YouTube en faisant des sondages. Bon, deuxième thème sur les trois. Pierre, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie, de ce petit scénar? Comment tu C'était l'as vécu, terrible. etc. C'était terrible. J'ai pris des double 1. J'ai fait 3 double 1 quand même dans une partie. C'est hard. Bah, je pense que je m'en suis quand même bien sorti. Oui, ça va, Pour ça va. un début catastrophique. Non, c'est bah ça, moi ça me fait plaisir. J'adore le personnage de Raymond Patté. Ça m'éclate. C'est bien de le jouer. C'est la première fois que je le jouais en fait. D'ailleurs. Non, super. Ça annonce du bon pour la suite. Bah, il me tarde. Hein. L'aventure, ça Tarde. t'allait? C'était pas C'était trop, il y avait pas génial. de moment pénible? Non, c'était terrible. Terrible. Tu m'as bien coincé comme il faut. Ça va, il était Génial. pas trop. Enfin, c'est... En Il était vrai, pas pour une en vrai, t'aurais fois, pu être plus méchant. Tu m'as oui, accordé quand même pour une fois, je t'ai accordé beaucoup des de bons gestes, points. surtout, mais principalement, en fait, les actes, à part les questions des millions, des questions sociales, n'avaient pas beaucoup de conséquences sur toi. À part sur la fin, là où je t'ai pressé avec l'histoire des racailles, mais c'était de l'impro. Mais en soi, c'était juste pour placer ça, je vous le redis, en tant que scénariste, quand vous êtes bloqué dans une situation, essayez de piocher dans l'aventure de votre joueur, dans ses improvisations pour créer un timer. Vous faites en sorte qu'il soit chronométré et qu'un événement, qu'il soit au courant qu'il y a un événement qui arrive. C'est parfait pour presser le temps et aller plus vite. Mais en soi, les actions que tu pouvais faire n'avaient pas énormément de conséquences. À part avec Raymond Pathé, en soi. Ah, en fait, Raymond Pathé, c'est surtout, c'est vrai que c'est pas forcément un perso comme Annabelle ou Diego, c'est pas un perso d'arcade, un perso de roleplay en fait. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et quand tu fais, quand tu, bah même toi, tu l'as vu, quand tu fais Raymond Pathé, en fait, t'es là pour dire des conneries. C'est un pur perso humoristique, quoi. C'est ça. Apparemment, il faut pour les sondages, c'est dans l'onglet communauté. Ouais, mais personne va y aller. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on se fait une idée. Ils nous diront dans les commentaires ce qu'ils en pensent sur ce sujet. Oui, Raymond Pathé, c'est un personnage à jouer. Pas, enfin, c'est pas, ouais, pas arcade. Et puis voilà. Bah écoute, nickel. Bon, bah t'es plus un sorcier, hein. Bah, hey, je vais le redevenir. Je vais faire en sorte de le redevenir. Mais toi, t'en as pensé quoi en tant que MJ, Moi, toi? j'ai bien aimé, moi. Moi, je me suis bien amusé avec les scènes sociales. J'en avais scénarisé 2-3, mais pas énormes non plus.
Je t'ai laissé conduire le truc. J'étais un peu imposé quand même un micro-parcours parce qu'il fallait que ça bouge. C'est vrai que Ouais, pourquoi? le problème de Raymond Pathé, c'est qu'il est dans l'inertie. Ça, je sais pas si ça t'a fait la même chose en tant que MJ. Moi, c'est la première fois que je joue MJ pour Raymond Pathé. Toi, c'est la première fois que tu joues Raymond Pathé. Mais en vrai, il peut parler pendant des heures et pour le faire bouger, il faut quand même lui mettre des coups de pied au cul au niveau narratif, quoi. Ça Ah t'a fait la oui, même c'est sûr. chose? Non, parce que sinon, en fait, c'est normalement, vu que son activité favorite, c'est marcher. Normalement, dans le background de Raymond Pathé, c'est marcher. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qui va lui tomber sur la gueule aujourd'hui? Comme vous avez pu voir dans le deuxième épisode de Raymond Pathé, en fait, même Titine lui dit, ah, si c'est bien Titine, hein, lui dit que en fait, il vit des aventures tout le temps. Le but, c'est vraiment en fait de mettre ce personnage n'importe où, il peut aller dans l'espace, etc. Dans l'univers d'Harry Potter, dans de la politique, dans du truc réaliste, dans du drame. En fait, on peut le transposer partout, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est un réceptacle. D'ailleurs, je réponds à Paderlan qui dit Teddy, est-ce que tu penses que c'est faisable? Une partie complète en improvisation, à condition de se placer dans un univers qu'on connaît par cœur. Alors moi, je vous donne un truc, là on a fait Zelda, qu'on sortira pas, mais c'est de la full impro. C'est-à-dire, j'ai pris Zelda 3, il n'y avait rien, j'avais rien sur le papier, rien. J'avais juste les stats des monstres. Et encore, ça aurait pu marcher sans en fait. Et j'ai juste dit à Pierre, tu es Link, il y a Zelda qui t'appelle. Allez, c'est parti, puis il avance. Après, il y a un corbeau, puis après, il rentre, puis après, il se bat. Il n'y a rien. J'ai rien, c'est juste mes souvenirs. Il y a plusieurs moments où Pierre, il dit, mais attends, je vais chercher dans mes souvenirs comment c'était dans le château de Zelda, château d'Hyrule. Donc, oui, vous pouvez y aller en full impro total une fois que vous avez les règles en main, dans des univers que vous connaissez, par exemple, partez sur Harry Potter. Tu incarnes Harry Potter ou autre, t'es sous le sous-sol là, enfin sous les escaliers, et puis tu reçois une lettre, et puis tu fais tout en impro, et tu laisses le joueur inventer son truc. Par contre, moi je trouve que ton Raymond Pathé il est passif. Mon Raymond Pathé, à chaque fois que tu me parlais de baguette, allez, je vais aller voir le boulanger, et j'y allais. Tu m'as pas beaucoup aidé avec ton Raymond Pathé, il est très verbeux, et très passif. Ouais. Très 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 passif. Très dur de faire ça peut vous donner un. Je sais pas Ah, si j'ai réussi à te non, non, conduire. non, attends. Le score en volonté de Valérie Piécette, je pouvais pas faire grand-chose hein, face à elle. Hein. Parce que plusieurs fois, j'ai tenté des trucs, c'était mort. Hein. En opposé, c'est pas une sorte, c'est juste qu'elle était trop forte en volonté. Ouais. Moi, Ok. là-bas, je voulais y aller seul dans la garçonnière, par exemple, tu vois. Il aurait Bon, bah pu se passer ça, totalement moi autre je vous le chose. dis du coup, pour les joueurs, enfin pour les MJ qui se retrouvent avec un joueur qui joue passif, même s'il l'est pas, mais enfin qui joue sur le moment passif et que ça commence à être un peu dur, mais vous créez sur le vif un PNJ qui va lui mettre un coup de pied au cul. Qu'il le prend en fait, qu'il le remet dans une situation. Ou sinon, vous le faites courir après par une situation. L'arrivée de mecs qui viennent le tabasser ou je sais pas quoi. Valérie Piécette a de l'avenir dans 2D6, mais pas dans le paysage politique français. Trop bien, on va essayer. Tu fais le sondage dans l'onglet communauté, il pourra apparaître chez nous, dans notre feed. Ouais, mais c'est si vous avez un téléphone portable et tout. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc, franchement. Dites-nous en commentaire, ça suffit. Encore là, je vais devoir me faire ce que j'ai manqué en replay. Ou de toute façon, on se fait un petit bilan, on va arrêter. Teddy, t'es peut-être un peu dur sur son Raymond. Il semblait bon. Non, mais il est excellent, son Raymond, en interprétation. Le fait de l'avoir joué te biaise un peu. Non, non. Et voilà, C'est et pas péjoratif. insulte Faut pas surinterpréter ce que je dis. Je dis, il a un jeu. Il a eu un jeu avec son Raymond passif. Vous l'avouez, enfin je me trompe pas. T'as incarné un Raymond passif. j'ai incarné un Raymond qui. On était là pour aider Valérie, quoi. Donc Et du j'étais coup, le familier de Valérie. on remarque, si vous regardez en replay, au moment où on rentre chez Valérie, je ne fais plus faire d'action à Valérie. C'est-à-dire, elle n'existe que derrière Raymond, comme un PNJ qui pousse Raymond à l'action, pour justement qu'il soit obligé de ne pas être passif. Mais du coup, ça marche, pas, je veux dire. Mais je suis pas sévère. Je vous dis, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où, par un biais quelconque, votre joueur incarne un personnage passif, ou qui est trop passif par rapport aux événements, au lieu de lui créer un monstre, vous lui créez un PNJ qui le pousse, en fait. Vous le mettez derrière, au deuxième plan. Par contre, les gars, si vous montez le live en rediff, n'oubliez pas de supprimer la rediff avec le chat et nos commentaires. Trash, ça suffit à faire strike. Oh, pas sûr. Non, je crois J'ai pas. fait 2 ans de live. T'as pas idée, hein.
Non, 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 t'en fais pas. Puis je pense pas qu'on va le monter. Bon, bah écoutez les mecs, nickel. Bon, en espérant que ça vous a plu, on vous attend en commentaire. Vous n'hésitez pas à commenter la vidéo pour l'aider au référencement. Et puis nous, on va se préparer un futur scénar. C'est toi le prochain pour MJ? Bah comme tu veux, on verra. On verra sur le moment. On verra sur le moment. Les mecs, on vous dit à la prochaine. Et c'est tout. Allez, je vais aller me reposer parce que je suis vraiment éclaté par la partie en fait. C'est le jeu. Amusez-vous bien. Salut. Salut les gars.